Bonjour à tous, rebonjour à ceux qui nous avaient déjà rejoints ce matin. Bienvenue à l'après-midi des troisièmes rencontres du CFPD 85 en collaboration avec le groupe Santé sexuelle auprès des jeunes en Vendée. Donc je remercie pour cet après-midi donc nos partenaires, l'association Aurélie, l'association RAPAV 85, le CRIAFS, le CIDFF, l'association Contact, l'association Le Refuge, le CPEF de Vendée, l'inspection académique, l'IREPS, la maison des adolescents, SOS Femmes Vendée, et ainsi que les sexologues et psychologues qui nous ont rejoints dans ce groupe pour élaborer cette journée. Le thème est toujours promouvoir une sexualité positive et respectueuse en tant qu'intervenant auprès des jeunes, enfants, ados et jeunes adultes. Quels enjeux ? Donc nous commençons par quelques questions qui sont arrivées sur notre boîte mail. Donc il y avait le chat, je tiens à préciser que le chat en live ne fonctionne pas, mais nous avons reçu quand même les questions sur la boîte mail. Donc avec Sébastien Landry qui a fait sa conférence ce matin, je vous propose de répondre à ces quelques questions dans les 10 minutes qui viennent. Et ensuite nous commencerons la deuxième conférence avec le CIDFF. Voilà. Alors, Sébastien, je vais poser les questions. Donc, ça va être un questionnaire du tac au tac. Voilà. Et puis, si vous n'avez pas pu suivre la conférence ce matin, ben, je vous encourage à aller la voir lorsqu'elle sera en replay sur la chaîne YouTube du CHD dès lundi matin. Voilà. Donc, Sébastien, proposez-vous des actions d'éducation à la vie affective et sexuelle auprès des jeunes et pour quelle tranche d'âge ? Alors hélas non, je ne propose pas de cours d'éducation à la sexualité. Moi je reçois plus après les jeunes en consultation quand il y a des problématiques, mais je ne fais pas ce type d'intervention pour le moment. Enfin, vous avez quand même pas mal d'activités, alors c'est vrai que ça en rajouterait. Mais voilà, donc on a répondu à la question. Alors on a une question plutôt physiologique, sexo. Donc ce matin, vous avez abordé la différence entre orgasme et éjaculation chez l'homme. Donc on aimerait bien avoir un peu plus de précision. Oui, en fait, beaucoup d'hommes et même des femmes sont persuadés que quand l'homme éjacule, il a un orgasme. Non, il a vraiment un plaisir éjaculatoire sur le moment, c'est vraiment très agréable, mais ce n'est pas l'orgasme. L'orgasme, il est vraiment déclenché au niveau du cerveau et il est véhiculé dans l'ensemble de l'organisme. Je donne un exemple simple chez des patients que je suis énormément sur des cancers de prostate chez qui on va retirer la prostate et les vésicules séminales. Il y a une impossibilité d'éjaculation. Donc ces hommes-là se masturbent toujours ou ont des rapports sexuels et en fait au lieu d'être arrêtés par l'éjaculation et par le plaisir éjaculatoire, eh bien, ils continuent et souvent c'est l'orgasme qui va déclencher. Là ils arrivent à atteindre l'orgasme. On pense souvent que les femmes elles ont besoin de temps et que les hommes on jouissent très rapidement. Non, on est pareil, on a besoin aussi beaucoup de temps et l'orgasme c'est au-dessus que le plaisir éjaculatoire, c'est différent. D'accord, donc c'est plutôt une bonne nouvelle alors pour les hommes. C'est une très bonne nouvelle. C'est pour ça que même les masturbations chez les jeunes qui seront trop rapides avec le porno, on disait ce matin, des vidéos d'une ou deux minutes, trois minutes, c'est pas possible d'avoir un orgasme. Donc ils ont un plaisir, mais ils peuvent pas avoir d'orgasme si court. Il faut prendre son temps. D'accord, et il faut bien se connaître aussi, je suppose. Oui, c'est mieux. D'accord, très bien, merci bien. On a une question concernant les jeunes qui visionnent du porno, est-ce que, puisqu'ils ont cet accès à ce type de sexualité, on va dire, qui est plutôt du cinéma que la vraie réalité, comme on a dit ce matin, est-ce qu'il y a un risque plus élevé d'inceste dans les fratries, et notamment entre frères, on nous demande. Ça, je pense pas, j'ai pas de données vraiment sur le sujet. Par contre, on sait qu'il y aura plus de violence quand les jeunes consomment très tôt de la pornographie et des images très violentes, ils vont avoir tendance à eux-mêmes à avoir des actes assez violents dans leur sexualité. Mais de là à avoir de l'inceste un peu plus ou entre fratries, je ne pense pas. D'accord, donc plus de violence sexuelle. Oui. D'accord. Par imitation ou c'est oui, parce que pour eux, ça rentre, c'est normal. Ils regardent, ils sont jeunes. On disait 11 ans même, 9 ans peut-être des fois maintenant, où ils consomment les premières images pornographiques. Ils ne sont pas prêts à regarder ces images-là. Ils ne sont pas des adultes, ils ne savent pas que c'est de la fiction. Ils pensent que c'est la réalité. Donc ils vont reproduire, sans forcément, des fois sans méchanceté, mais ils vont être violents parce que c'est violent ce qu'ils regardent. Donc ils vont reproduire ce qu'ils regardent.
Merci. On a une autre question. Donc, ce matin, on a évoqué que la pornographie, c'était des acteurs, des castings qui répondent à certains critères. Moi, je tiens à préciser que les personnes qui regardent la pornographie, ben, il y a un impact, mais il y a aussi des impacts sur les acteurs. Hein, et il y a beaucoup de personnes qui, justement, ont vécu des violences aussi avant de commencer à faire des films porno dans ce milieu-là. Alors, comment expliquez-vous aux jeunes que le porno amateur, style Jackie et Michel, où ils ont le sentiment que c'est le voisin et la voisine qui ont posté leurs ébats amoureux? Je mettrai ébats amoureux entre guillemets, mais oui. Oui, non, ça reste, on est quand même dans la fiction, dans quelque chose qui n'existe pas. On n'est pas dans de la vraie sexualité, c'est un partage à deux, c'est pas d'aller se faire filmer, d'aller sur des réseaux. Même si on a l'impression que c'est de l'amateurisme, c'est mis en jeu, c'est mis en scène, on explique ce qu'il faut faire aux gens. Donc même si on n'est pas avec des vrais acteurs porno, on n'est pas dans de la vraie sexualité. Donc il ne faut pas imaginer que ce que l'on voit sur ces vidéos comme Jackie et Michel, c'est quelque chose qu'on peut faire du tout venant et que n'importe qui le fait. Non, ce n'est pas vrai. C'est quand même, y a un cadre, hein. Ce sont des professionnels qui encadrent ça. D'accord, merci. Et puis, comment est-ce que vous expliquez à des jeunes hommes, par exemple, d'investir une autre sexualité autour de leur imaginaire érotique, mais sans le porno? Mais en fait, le porno, c'est vrai que là, on a fait une image vraiment très négative du porno. C'est pas dramatique s'ils en consomment un peu, s'ils savent comment ils le consomment. Ce qui est embêtant, c'est quand c'est toujours systématique. Et qu'on a des masturbations ou des fois des non-masturbations, mais surtout à consommer ces images. Ben, ils sont renfermés dans une vision très stéréotypée de la sexualité, alors que s'ils travaillent sur leur fantasmatique, sur le côté imaginaire, ils vont pouvoir s'ouvrir à un champ de la sexualité, dans la sensualité, dans l'érotisme, et dans le vécu de sensations nouvelles au niveau de leur corps et de plaisir. Et là, on va être plutôt dans une écoute de son corps, une écoute de sa fantasmatique, et du coup, dès qu'on est dans l'écoute, on est aussi dans le respect et dans la communication, ce que le porno ne développe pas. Merci. On nous pose une question sur est-ce qu'il n'y a pas moins de violence ou de recherche de performance dans des films à caractère pornographique lesbien? J'ai pas de retour vraiment énorme sur ça. Sur le peu que je peux voir, je trouve qu'il y a quand même une certaine violence qui est mise en avant. Ça dépend les films par qui ils sont faits. Quand on sait déjà, par exemple, que dans beaucoup d'acteurs sur des films soi-disant gays, ce sont des acteurs qui se disent hétéros, mais parce qu'on les paye plus cher à faire ces scènes-là. Donc c'est vraiment de la mise en scène. Et dans les films lesbiens, c'est pareil, c'est une mise en scène. Est-ce que la femme est plus respectée? Je ne sais pas. La vision de comment c'est fait, mais bon. J'aurais du mal à dire, j'ai pas assez de retours, j'ai pas assez travaillé ce sujet-là pour vraiment développer. D'accord, je vous remercie. Et puis, on nous pose la question, vous n'avez pas évoqué l'usage des sex toys. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Oui, parce que je pense que déjà, dans la sexualité, il faudrait découvrir déjà sa sexualité seule et après avec un partenaire ou une partenaire avant peut-être d'aller vers les sextoys. J'ai rien contre les sextoys, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on peut utiliser, mais c'est cette idée que si très jeune on commence déjà à utiliser des sextoys, c'est se dire que peut-être on a déjà fait le tour de la sexualité, est-ce qu'on a bien découvert. On a l'impression qu'on est dans une société vraiment de consommation où il faut tout de suite. On a entendu parler d'un sextoy, je vais l'utiliser, je vais découvrir ce plaisir-là. Mais est-ce que déjà on se connaît soi-même? Est-ce qu'on sait prendre du plaisir soi-même? Quand on entend des fois des femmes qui disent, parce que souvent c'est chez les femmes, parce qu'on croit que l'homme quand il éjacule il a un orgasme, mais on dit les femmes elles n'ont pas d'orgasme. Mais en même temps, il y a des femmes, elles ne se connaissent pas elles-mêmes, donc c'est difficile d'attendre de l'autre d'avoir un orgasme quand on ne se connaît pas soi-même. Et l'utilisation peut-être de sextoys, ça peut aider, ça peut arriver, mais je pense qu'il faut déjà avoir un vécu dans la sexualité pour commencer à s'ouvrir à des choses un petit peu plus extérieures comme l'utilisation de sextoys. Après, voilà, c'est sympathique si les personnes savent pourquoi elles le font et ce qu'elles recherchent. D'accord. Et une dernière question. Y a-t-il nécessairement besoin d'un suivi sexo pour aller vers une sexualité respectueuse? Non, parce que sinon on serait débordé. Voilà. Merci. Non, heureusement que non. Merci Sébastien Landry pour et votre conférence de ce matin et ses réponses en live aux questions. Avec Merci plaisir. Beaucoup.
On va poursuivre avec la conférence, la deuxième conférence pour cette journée. Donc c'est l'intervention sur le thème violence sexiste et sexuelle. De quoi parle-t-on? Que dit la loi? Et donc c'est animé par Fabienne Linard, directrice au CIDFF, accompagnée de Julie Chabrol, juriste au CIDFF en Vendée. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc je suis donc Fabienne Linard, la directrice du CIDFF de la Vendée, du Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Donc je vous propose, lors de notre intervention là, de cet après-midi, de comprendre le phénomène des violences sexistes et sexuelles et de prendre connaissance de la législation en matière de protection des victimes, victimes bien évidemment des violences sexistes et sexuelles. Tout cela en s'inscrivant dans un partenariat local dont vous avez pu avoir connaissance des différents partenaires avec lesquels on travaille, notamment au travers des partenaires évoqués par le docteur Laurent tout à l'heure qui ont participé à l'élaboration de cet après-midi, enfin de cette journée, pardon. Alors, je vais commencer par vous présenter le CIDFF. Qui sommes-nous ? Les CIDFF, d'un point de vue national et plus particulièrement celui de Vendée, ont différents objectifs, qui est celui de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, de favoriser l'autonomie des femmes dans les domaines juridiques, professionnels, économiques, sociaux et familiales, mais aussi de lutter contre les discriminations et les violences sexistes. C'est pourquoi nous sommes là cet après-midi. Comment fait-on cela ? Au travers de trois services. Et là, pour ce faire, je vais laisser la parole à ma collègue juriste Julie Chabrol. Bonjour à tous. Donc, pour vous présenter un petit peu les trois services qu'on a, nous, au CIDFF Vendée, donc on a le service d'accès au droit, le service emploi et le service de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc moi, je suis juriste. Je suis juriste. Mon rôle, c'est d'apporter des informations juridiques aux personnes que je rencontre sur différentes thématiques, trois principales, le droit de la famille, donc tout ce qui va concerner la séparation, le divorce, la question de la garde des enfants, pension alimentaire, etc. Dans le domaine également du droit du travail, rupture de contrat, conclusion d'un contrat de travail, harcèlement moral au travail. Troisième grande thématique, les violences sexistes et sexuelles dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans l'espace public, au travail, au sein du couple, au sein de la famille en règle générale. D'un terrain un peu plus pratique, on va dire, nous on informe toujours sous forme de rendez-vous parce qu'on va prendre la situation de la personne dans sa globalité. On n'est pas sur de l'information ponctuelle, on est vraiment sur, on peut être sur des accompagnements un peu plus longs, donc on a besoin de connaître aussi toutes les informations nécessaires pour répondre à la personne qu'on rencontre. Nos rendez-vous peuvent être soit sous forme téléphonique, soit physique. On est principalement présente au siège à La Roche-sur-Yon, mais on se déplace aussi un petit peu partout sur le département. Je pense qu'aujourd'hui, on couvre quand même une grosse partie du département de la Vendée. Alors, ce qui est important quand même de préciser, c'est que notre service juridique est accessible autant aux femmes qu'aux hommes. Autant antérieurement il était ouvert uniquement aux femmes, maintenant voilà, on a ouvert aussi pour un public plus large, notamment dans le but de prôner aussi l'égalité entre les hommes et les femmes. En ce qui concerne le service un peu, on met le service un peu entre guillemets parce que ça fait partie des deux services d'accès au droit et accès à emploi aussi. En ce qui concerne donc la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, on est sur donc de l'accueil, de l'information, de l'accompagnement. Accompagnement parce que autant en ce qui concerne les autres thématiques qu'on peut aborder, on va être sur des rendez-vous uniques la plupart du temps, alors qu'en ce qui concerne la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, on peut être sur du plus long terme, 1, 2, 3, voilà, plusieurs rendez-vous, ça peut être sur un an, 6 mois, ça dépend aussi des besoins des personnes. Et notre deuxième mission, on va dire, dans le cadre de ce service, c'est la sensibilisation et la formation du public, que ce soit un public professionnel, que ce soit un public particulier sur cette question des violences sexistes et sexuelles.
Je vais te laisser Fabienne présenter le service emploi. Oui, pour terminer, donc le troisième grand volet du CIDFF, c'est donc un service emploi assuré par une conseillère emploi. Donc là, c'est un service qui est réservé aux femmes, parce que tout simplement les femmes ont plus de mal à accéder à l'emploi que les hommes et sont souvent sur des temps partiels, donc ce qui génère assez régulièrement de la précarité financière. Donc de manière à leur permettre d'avoir cette autonomie dont je parlais tout à l'heure, donc notre collègue les accompagne vers l'emploi, la formation ou la création d'entreprise. Alors nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. À savoir, avant de parler de violences sexistes et sexuelles, il nous paraît important de définir qu'est-ce que le sexisme, qui est quand même la base de tout, et que nous rencontrons, enfin vous allez le voir, dans notre quotidien, et que toutes les femmes, à un moment donné ou à un autre, y ont forcément été confrontées. Donc, on a repris les différentes définitions du Conseil supérieur à l'égalité professionnelle en précisant trois types de sexisme. Donc, nous avons le sexisme bienveillant. Plus communément, on va le retrouver dans tout ce qui va toucher à la galanterie, c'est-à-dire que l'intention est bienveillante. C'est-à-dire ouvrir la porte à une femme, lui offrir le restaurant, des choses comme ça, qui partent d'un sentiment tout à fait correct et sans animosité aucune vis-à-vis de la femme, évidemment. Mais de ce fait, c'est rendre la femme fragile, rendre la femme un petit peu inférieure, malgré tout, où l'homme prend cette attitude de protecteur, de... je m'occupe bien de ma femme, mais il peut l'être aussi, bien évidemment, galant avec toutes les femmes qu'il peut rencontrer. Alors, je ne dis pas, parce que là, beaucoup de gens me disent, oui, non, mais les femmes, si vous nous enlevez la galanterie, là, comment on fait, nous, maintenant, hein, quand même, c'est plutôt appréciable. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je ne dis pas qu'il faut que ces messieurs ne soient plus galants. Je dis juste que peut-être que nous, mesdames, par moment, on peut ouvrir la porte à ces messieurs, on peut leur offrir le restaurant, on peut être attentionnés autant qu'eux peuvent l'être quand ils sont galants. Donc, on est bien d'accord, je le reprécise, je ne dis pas qu'il ne faut plus être galant, je dis que c'est à nous aussi, mesdames, et à monsieur aussi, d'accepter ce côté égalitaire dans les relations, tout simplement. Mais je reprécise bien que l'intention est bonne, hein, elle n'a rien de malveillant. Ce qu'on va après retrouver en deuxième typologie de sexisme, c'est le sexisme masqué, ou plus communément appelé le sexisme ordinaire. Donc là, ça va être toutes les petites choses du quotidien qu'on entend, les blagues sur les blondes. Voilà, c'est le meilleur exemple que je puisse vous donner du sexisme ordinaire. Ça fait rigoler tout le monde. Et puis celles que ça ferait pas rigoler, elles n'ont pas vraiment d'humour, hein, c'est bien connu quand même. Par contre, retrouver les mêmes typologies de blagues vis-à-vis des hommes, il faut qu'on cherche parce qu'on les a pas. Donc quand même. Ça va être Julie, tu peux bien aller faire le café, tu es une femme, tu sais mieux faire ça que les hommes, hein. Mais on peut les avoir aussi dans l'autre sens, dans le genre, on s'est bien connu qu'un homme ne sait pas faire deux choses à la fois, hein. Donc le sexisme, on est bien d'accord, ça va dans les deux sens, tant pour les hommes que pour les femmes, mais malgré tout il y a quand même plus souvent de sexisme vis-à-vis des femmes que vis-à-vis des hommes. Et puis après on va passer à celui qui est, voilà, comme son nom l'indique, un sexisme hostile. Donc là on va retrouver tout ce qui est machisme, tout ce qui est misogynie, où là, vraiment, l'intention est mauvaise. L'intention va être discriminante. Hein. Il ne faut pas qu'elle aille sur un poste à responsabilité. Hein. C'est une femme, elle est trop sensible, elle n'y arrivera pas. Hein. Donc, on va octroyer ce poste à un homme. Ça va être, elle a été agressée l'autre soir, mais vu comment elle était habillée, évidemment, hein, ça ne pouvait que... Là, on est sur du sexisme hostile, où vraiment, on va être, l'attitude va être très négative vis-à-vis de l'autre sexe. Et c'est de ce sexisme hostile, malheureusement, que vont découler les violences sexistes et sexuelles. Le problème, justement, donc avec le sexisme, et notamment le sexisme hostile que Fabienne, tu viens de présenter, c'est que vont découler de tous ces différents types de sexisme les violences sexistes et sexuelles. L'Agence des Nations Unies a proposé une définition des violences sexistes et sexuelles. C'est celle qu'on a choisi aussi de vous proposer aujourd'hui parce qu'on trouve qu'elle correspond très bien à la réalité des choses. Concrètement, pour reprendre leur définition,
Alors donc, on désigne par violence sexuelle et sexiste tout acte commis contre la volonté d'une personne et fondé sur les rôles différents que la société attribue aux hommes et aux femmes et sur des relations de pouvoir inégales. Bon, cette définition précise également que les violences peuvent être de nature physique, émotionnelle, psychosociale et sexuelle et qu'elles peuvent s'exprimer par une privation de ressources ou d'accès à des services. Là, concrètement, dans cette définition-là, on voit bien la partie sexiste, donc la partie inégalité homme-femme, différenciation homme-femme, comme quoi ces violences sont basées sur cette différence-là. Pour continuer... Tu peux passer une... Pour continuer justement sur cette... un peu cette définition des violences sexistes et sexuelles, on a fait le choix d'axer aussi notre présentation sur l'ampleur du phénomène avant même d'aborder concrètement quelles sont ces différentes violences sexistes et sexuelles, un peu pour vous proposer aussi d'ouvrir les yeux et de voir comme quoi ces violences prennent de l'ampleur aujourd'hui. Et on va introduire notre propos donc, par une petite vidéo qui se nomme donc, « La bande-son de la vie d'une femme », qui va vous permettre de comprendre que malgré ce qu'on peut dire, oui, les femmes sont plus victimes et tout au long de leur vie. Et la princesse attendait encore et encore le prince charmant. Non, tu joues pas au foot, t'es une fille. Dis merci à Tati pour le bel aspirateur. Oh. Oh, on dirait un vrai. Mais dis donc, mais t'es une vraie petite femme maintenant. Tu viendrais pas sur mes genoux? Psst, hey, tu réponds pas. Tu fais ta fière. Avec Cellu Minceur, n'ayez plus honte de vous montrer en maillot. Fais pas ta coincée. T'as vu dans quel état tu m'as mis? Comment ça, agressé? Tu l'aurais pas un peu cherché? Eh, hey, c'est quoi ton 06? Tu réponds pas? Salope. Avec Cellu Minceur Plus, 6 semaines pour être belle. Allez. Je sais que t'en as envie. Hein, t'aimes ça? T'aimes ça, hein? Mais dis donc, toi, t'aurais pas pris un peu de poids? C'est pas comme ça que tu vas te retrouver un mec, hein? Le même salaire que lui. Mais pourquoi? Tu trouves que ça ressemble à une chemise repassée, ça? Oui, faut se mettre à sa place aussi, hein. C'est peut-être à toi de faire des efforts. C'était un accident, chérie. Non, mais je voulais pas te faire mal. Non, mais c'est parti comme ça. Oui, on vous a remplacé. On s'est dit que maintenant, avec votre deuxième... Bon, et dis donc, arrête, écoute, laisse-toi faire un peu. J'ai tous les droits avec toi, je suis ton mari quand même. Avec Cellu Minceur S, combattez les signes de l'âge. Vieille conne. Allô, maman? Ça y est, tu es grand-mère. Oui, c'est une fille, t'es contente? Harcèlement, inégalité, agression, violence conjugale, viol. Tant que nous ne ferons pas reculer le sexisme, la violence accompagnera la vie des femmes. On le voit très bien, cette vidéo illustre quand même parfaitement la charge mentale, la pression aussi que peuvent subir les femmes tout au long de leur vie, dès le plus jeune âge, puisque là, concrètement, on part d'un bébé hein, dans la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que juridiquement, il est reconnu que le risque est accru pour les femmes. Il est reconnu principalement donc, dans la Convention d'Istanbul, qui a été, à mon sens, ratifiée relativement tard par la France, puisqu'elle a été ratifiée uniquement en 2014. Et cette convention permet d'imposer, puisque la France l'a signée, donc elle est d'accord avec ça, une définition des violences sexuelles, sexistes et sexuelles, mais également de... Je trouve pas mon mot. D'intégrer l'idée que les violences atteignent les femmes de manière disproportionnée par rapport aux hommes et que le risque, justement, est beaucoup plus accru pour elles. Concrètement, la Convention reconnaît que la violence domestique, le harcèlement sexuel et le viol sont des formes graves de violence qui affectent les femmes de manière disproportionnée. Finalement, l'utilisation de ces différentes violences-là va maintenir les femmes dans une situation de subordination par rapport aux hommes. Ça va être un instrument qui va être, si je puis dire, mis à la disposition des hommes pour maintenir les femmes de manière inférieure, si on veut.
Cette convention, elle est quand même très intéressante parce que ça impose aussi aux États qui l'ont signée de mettre en place une législation spécifique sur la question des violences sexistes et sexuelles et également de faire reconnaître ce phénomène comme existant dans le pays qui l'a signé. Bien. Alors, pour mieux appréhender l'ampleur du phénomène, on va vous présenter donc des données chiffrées, hein, des violences sexistes et sexuelles dans les différentes sphères de la vie. On va commencer par une petite vidéo. Voilà. Ça va ? Oui, ça va. Si tu veux, demain, on pourra aller boire un café quand Jacques sera au travail. Alors, donc là, bien évidemment, on parle de violence au sein du couple. Ou violence appelée violence conjugale, sachant que ces violences au sein du couple ne concernent pas forcément que les couples mariés, hein, ou les couples qui vivent ensemble. Ça peut être aussi des couples voilà, qui vivent chacun de leur côté. Ça peut concerner aussi donc les jeunes. Sachant que les chiffres qu'on vous présente là ne concernent que des victimes majeures, hein, parce qu'on n'a pas de chiffres sur les victimes mineures. Mais toujours est-il qu'on a quand même sur 2019 une femme qui meurt tous les deux jours, tuée par son partenaire ou son ex-partenaire, 213 000 femmes qui ont été victimes de violences physiques, psychologiques, sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint sur une année, et de savoir que moins d'une femme sur cinq dépose plainte. Et il faut savoir qu'en 2018, c'était une femme tous les trois jours, donc en 2019, là, les chiffres ont vraiment énormément augmenté. Donc la fin de l'année 2020 n'étant pas terminée, nous n'avons pas encore les chiffres 2020. Pour comparer, souvent, ce qu'on nous fait remarquer, c'est oui, mais les hommes, il y a bien des hommes qui sont victimes aussi d'homicides de par leur conjointe ou ex-conjointe. Pourquoi on parle toujours que des femmes ? Juste pour vous préciser, je ne dis pas que les chiffres ne sont pas, qu'il ne faut pas en tenir compte, mais il y a, en 2019, il y a eu 27 hommes qui sont décédés sous les coups de leurs conjointes et conjoints. Donc les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes, parce qu'une femme tous les deux jours, là on est quand même sur 146 femmes. Donc voilà, ce pourquoi on va plus en parler. Et même si le phénomène vis-à-vis des hommes existe, oui bien sûr, on en tient compte, et il nous arrive aussi IDFF de recevoir des hommes victimes de violences conjugales. Donc là, il s'agit de chiffres relatifs à l'espace public. Donc il faut quand même savoir qu'une femme sur quatre a déjà subi une forme de violence, sexiste dans l'espace public. Et en Île-de-France, on est à une sur deux, hein, quand même. Donc voilà, je pense qu'en général, dans les grosses villes, les chiffres s'amplifient, notamment avec les transports en commun qui favorisent malgré tout ce type de comportement. Mais bon. Ça n'empêche qu'il y en a partout, et il ne faut pas le minimiser. Hein, parce que je pense qu'on peut toutes dire, les femmes, qu'à un moment donné de notre vie, on a toutes été confrontées au moins à un agissement sexiste dans la rue ou quand on a pris un transport en commun. Enfin voilà, on y est toutes forcément, pas forcément en termes de violence, mais au moins en termes d'agissement sexiste. Si on regarde de plus près les violences sexuelles au cours de la vie, donc en règle générale, il faut savoir qu'en 2019, 56 150 victimes de violences sexuelles ont été enregistrées par les forces de l'ordre.
Alors, la petite précision, on est bien sur des victimes enregistrées, donc des plaintes qui ont été déposées. Ce qui fait que, à mon sens, les chiffres ne sont absolument pas représentatifs, puisque 56 000, voilà, ça paraît un chiffre assez faible au vu de toutes les situations qu'on peut rencontrer. Sachant que sur ces 56 000 personnes, on a quand même 55% de mineurs. Alors là, il y a une petite coquille sur le diapo, c'est bien mineurs, filles, garçons confondus. C'est pas uniquement les filles. Et sur justement ces 55% de mineurs, on a 8 victimes sur 10 qui sont des filles. C'est pas rien. 8 victimes sur 10, c'est quand même assez impressionnant comme chiffre. Et 75% de ces filles ont moins de 15 ans. Quand on parle de violence sexuelle, on est très large. On parle d'agression sexuelle, on parle de viol, on parle d'harcèlement sexuel, etc. 75%, c'est quand même un chiffre qui peut, voilà, qui peut un peu étonner, mais bon. Sachant que une agression sur trois a lieu dans le cadre familial pour ces mineurs-là. Si je prends les chiffres simplement dans la vie au niveau des majeurs, on est à 9 victimes sur 10 qui connaissent l'agresseur. Donc on est quand même loin des clichés du viol dans la rue, dans une petite ruelle sombre à la sortie d'une boîte de nuit ou autre. On ne peut pas négliger l'impact du cadre familial, amical, etc., puisque la plupart des agressions ont lieu dans ce cadre-là. En ce qui concerne les violences sexuelles en ligne, alors c'est extrêmement compliqué de trouver des chiffres parce que c'est un phénomène qui est quand même, je dirais pas banalisé par les jeunes, mais dans un sens quand même, qui est beaucoup caché surtout, puisque selon une étude, 10% des jeunes françaises, donc entre 6 et 18 ans, ont déjà été agressées ou harcelées sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et une fille sur cinq rapporte des insultes sur son apparence physique en ligne. Là, c'est pareil, ça reste sur la base d'enquêtes en fait, de victimation, donc de victimes qui se proclament victimes. Ça reste sur un échantillon qui est quand même relativement faible, au vu de l'étude. Donc il y a de fortes chances que dans la vie quotidienne et sur l'entièreté de la population française, on soit un peu plus qu'une fille sur cinq quand même. Et enfin, une fille sur sept a déjà été confrontée à des cyberviolences à caractère sexuel en lien avec des photos, des vidéos ou des textos, des sextos concrètement. Donc là, on parle vraiment évidemment de cyberviolence avec une absence de consentement pour ces filles-là. Bien. Alors après avoir pris conscience de l'ampleur du phénomène des violences sexistes et sexuelles, on va passer à une autre étape, c'est-à-dire qu'on va vous présenter différentes situations où on va vous proposer d'essayer de les qualifier et puis de faire un rappel sur ce que dit la loi par rapport à ces situations. Première situation. En sortant de la gare, Jeanne se fait siffler par un homme qui la suit de manière insistante dans la rue. Est-ce de la drague lourde, un outrage sexiste ou du harcèlement sexuel? Je vous laisse 2 secondes pour essayer d'y répondre. Il s'agit d'un outrage sexiste. Imposer à une personne un comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à sa dignité ou l'expose à une situation pénible, c'est de l'outrage sexiste. Alors, cette loi est sortie le 3 août 2018, a été mise en place sur proposition de Marlène Schiappa pour enrayer le harcèlement de rue, en fait, pour essayer de le punir. Hein, de pouvoir le verbaliser. Donc il s'agit de... l'auteur risque une contravention qui peut aller jusqu'à 750 euros. Et puis jusqu'à 1500 en cas de situation, de circonstances aggravantes, notamment par exemple si la victime a moins de 15 ans. Donc là, ça peut aller jusqu'à 1500 euros. Le tout est de pouvoir récupérer les preuves de cet outrage sexiste au moment où ça se passe ou d'avoir un représentant de la loi à proximité pour pouvoir l'interpeller très vite.
Hein, parce que sinon, voilà, si on récupère aucune preuve, voilà, ça peut être compliqué à prouver. Mais enfin, voilà, cette loi a été mise en place et il y a eu quand même un certain nombre de contraventions de réaliser ces derniers temps, parce que voilà, les gens commencent à connaître cette infraction et peuvent l'utiliser et s'en servir contre les auteurs. Donc, un petit peu plus concrètement, parce que souvent, comme on ne le maîtrise pas forcément bien, bon, il y a des contraventions qui sont dressées, mais ce n'est pas forcément bien connu. Donc, des exemples d'outrage sexiste, de comportements qui peuvent être sanctionnés. Donc, c'est suivi d'une personne qui ne répond pas ou qui exprime très clairement un refus. C'est commenter le physique ou la tenue vestimentaire d'une personne de façon dégradante. D'avoir des regards appuyés, des propos sexistes ou des questions intrusives, comme on le voyait dans la vidéo tout à l'heure. Voilà, suivi une femme en lui demandant son 06 pendant je ne sais pas combien de temps, on est sur d'outrage sexiste. Hein. Et puis les sifflements intempestifs, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on n'est pas des chiens qu'on appelle en sifflant. Deuxième situation. Donc Théo et son ami Paul ont un nouveau jeu. Ils s'installent à la terrasse d'un café et filment sous les jupes des femmes qui passent grâce à la perche de leur smartphone. D'après vous, est-ce un outrage sexiste, du voyeurisme ou du harcèlement sexiste ? Il s'agit bien du voyeurisme, et là plus particulièrement du voyeurisme sexuel. Donc il est interdit par la loi d'utiliser son smartphone pour apercevoir les parties intimes d'autrui à son insu. Il faut savoir que donc c'est puni par le code pénal d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et que la victime a 6 ans pour pouvoir porter plainte. Il y a des circonstances aggravantes donc, où la peine peut aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende quand les photos ou vidéos sont fixées, enregistrées, voire diffusées. Là, le simple fait de le visualiser sans le fixer ou l'enregistrer, c'est déjà puni ça par la loi, mais il s'agit de circonstances aggravantes si on les garde sur le téléphone, par exemple, et alors, d'autant plus si on les diffuse, voilà, circonstances aggravantes. Alors, tous les jours, un élève de la classe d'Agathe lui répète qu'il la trouve jolie, qu'il en rêve la nuit. Il lui adresse quotidiennement des SMS à connotation sexuelle. Est-ce, d'après vous, un agissement sexiste, du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel ? En effet, il s'agit bien de harcèlement sexuel. Donc, imposer à une personne de façon répétée des propos et comportement à connotation sexuelle, du harcèlement sexuel. On a bien évidemment en tête que le harcèlement est souvent traduit par des situations qui se répètent. Donc là, on a quotidiennement notamment qui va cautionner le harcèlement avec des SMS à connotation sexuelle, donc ce qui va permettre de définir la situation comme du harcèlement sexuel. Donc on rappelle quand même que ça peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Marion est en stage depuis un mois. Elle devrait ensuite être embauchée en CDD. Son tuteur lui laisse entendre qu'il pourrait influencer la décision finale si elle accepte une invitation en tête-à-tête avec lui. Et plus si affinité. Est-ce d'après vous de la séduction, du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel ? Et voilà, nous sommes dans la situation de harcèlement sexuel, même s'il n'y a pas répétition des faits. C'est-à-dire que à partir du moment où on exerce une pression grave, là c'est dans le cadre d'une stagiaire, dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle, on est sur du harcèlement sexuel. Le phénomène de chantage, hein, quand on dit pression grave, on va penser chantage. Là, il y a en plus circonstances aggravantes parce qu'il y a une situation de supérieur hiérarchique. Hein. Mais ça peut être un collègue qui va dire « Oui, écoute, viens avec moi dans les toilettes pour que tu me fasses plaisir, sinon je vais dire au patron que tous les jours tu arrives en retard. » On est sur du harcèlement sexuel, même s'il y a qu'une proposition, si la proposition n'a été faite qu'une seule fois. Parce qu'il y a le phénomène de chantage et de « je récupère quelque chose à mon avantage en tant qu'auteur ou c'est à ton détriment en tant que victime ».
c'est punissable de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc on est bien clair, hein. Donc c'est voilà, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Donc on la connaît mal parce que souvent, comme c'est une situation qui vient de se produire qu'une fois, on va penser au harcèlement moral en effet. Hein. Mais là, on est vraiment sur une situation de harcèlement sexuel. Donc, juste pour repréciser quand même, le harcèlement sexuel, donc lorsque des faits sont répétés, ou lorsque des faits ne sont pas répétés, mais que l'auteur a usé d'une forme de pression grave dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle, ou lorsque les faits relèvent du harcèlement sexuel environnemental. Alors, c'est quoi le harcèlement sexuel environnemental ? C'est quand on travaille ou qu'on est tous dans un même lieu, on est plusieurs à passer. Non, le meilleur exemple, c'est les vestiaires. Dans les vestiaires, il y a des calendriers de femmes nudes accrochés un petit peu partout. Et puis, la femme de ménage vient nettoyer les vestiaires régulièrement. Sauf qu'à un moment donné, voir ses calendriers, ça peut lui être désagréable. Donc, elle peut, enfin, elle a le droit, enfin, elle a le droit de se dire victime de harcèlement sexuel environnemental, dans le sens où, dans son environnement, il y a des images, ça peut être des vidéos aussi qui passent, qui ne sont pas forcément contre elle en tant que telle, mais qui, dans son environnement, relèvent du harcèlement sexuel. Ça peut être un collègue où on partage un bureau ensemble qui visionne des vidéos pornographiques entre midi et deux. Ça ne concerne que lui, bon, même s'il n'a pas forcément le droit de le faire sur son lieu de travail, mais ça ne concerne que lui, c'est pas forcément des... enfin, voilà, il ne cherche pas à les faire visualiser aux autres, mais les collègues qui sont autour, qui le voient, ça les dérange. Donc on parle de harcèlement sexuel environnemental. Ça va? Ça te fait bien marrer tes petites photos? Un peu, ouais. C'est moitié à poil en plus. C'est des copines. T'es jaloux parce qu'elles sont bien gaulées. T'es vraiment dégueulasse. Oh, t'as pas d'humour. T'es complexée ou quoi? J'ai pas d'humour. Et je passe pour quoi, moi? Tu sais quoi? C'est fini entre nous. Quoi? Attends, tu fais quoi, là? Tu me quittes? Bah ouais, je te quitte. J'en peux plus de ton attitude. Ah ouais? Attends, tu vas voir. Tu kiffais pas, là? Qu'est-ce que tu t'as l'air de bien kiffer, en tout cas. Cache ça. Ah, je te fais chier, bah je vais te faire chier. Hein? Tu fais quoi? Partager. Non, fais pas ça. Public. Non. S'il te plaît. C'est trop tard. Non, 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 non. T'as vraiment fait ça? C'est de la violence. Regarde la websérie sur arrête.be. Besoin d'aide, 0800 30 030. Dans cette petite vidéo, on est concrètement sur donc de la cyberviolence et plus précisément sur ce qu'on appelle du revenge porn. Autrement dit, revanche pornographique. Concrètement, dans cette situation-là, c'est l'acte est de rendre public des photos à caractère sexuel d'une personne pour se venger en l'humiliant. Dans la situation précise sur la petite vidéo, on était sur du revenge porn au sein du couple. En règle générale, de manière courante, le revenge porn peut être condamné jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende, sachant que pour toutes les infractions qu'on a vues précédemment ou qu'on va voir par la suite,
le fait que l'infraction ait eu lieu dans le cadre du couple est toujours une circonstance aggravante, donc peut toujours être puni plus sévèrement par la loi. On est ici sur une cyberviolence particulière, pourtant il en existe quand même un certain nombre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cyberviolences recouvrent toutes les formes de violences sexistes et sexuelles qui peuvent exister au moyen des outils numériques, que ce soit des réseaux sociaux, Internet, etc. Pour en citer quelques-unes, parce qu'elles sont quand même extrêmement nombreuses, donc on peut être face à des cyberviolences sexuelles, le revenge porn en fait partie. Le cybercontrôle ou la cybersurveillance, pour ce type de cyberviolence-là, on est spécifique à une cyberviolence au sein du couple. Ça va être justement le contrôle d'un des compagnons, des partenaires, des conjoints, sur l'autre par le biais des réseaux sociaux, d'Internet. Ça peut être contrôler un réseau social particulier, ça peut être installer un logiciel de pistage de la personne. Voilà, on est vraiment sur... principalement quand même une infraction qui se retrouve dans le cadre du couple. Plus communément, on trouve aussi donc le cyberharcèlement, les vidéos lynchage. Donc ça, il y a quelques temps, c'était quelque chose qui était assez, entre guillemets, à la mode chez les jeunes. Ça pouvait être des personnes filmées en train de se faire frapper par d'autres jeunes. Et voilà, c'était quelque chose qui était quand même très, très à la mode il y a quelques temps. On peut également être aussi, alors là on n'est pas forcément sur du caractère sexuel, mais sur des insultes, des menaces en ligne. Voilà, là on est vraiment pour en citer que quelques-unes parce qu'il y a un nombre assez impressionnant de cyberviolences qui existent. Alors, autre situation, dans le bus, Loïc profite de la promiscuité liée à la foule pour toucher les fesses des femmes. Est-ce qu'on est face à un outrage sexiste ? Une agression sexuelle ou un viol. Donc dans cette situation, on est bien face à une agression sexuelle, puisque ici, on est face à un fait, donc face au fait d'imposer des attouchements sur les fesses d'autrui au moyen de la surprise et de la contrainte, concrètement en l'absence de consentement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la jurisprudence, donc, pas la loi, mais les juridictions, ont nommé les 5 parties du corps qui peuvent caractériser justement une agression sexuelle. On est donc sur la bouche, la poitrine, le sexe, les fesses et l'intérieur des cuisses. Ce sont les 5 parties du corps qui sont considérées comme sexualisées, comme sexuelles, et qui, lorsqu'elles sont touchées sans le consentement de la personne, peuvent caractériser une agression sexuelle. Parfois, chez les jeunes, c'est des choses qui peuvent être compliquées aussi à expliquer, parce que pour rire, on va toucher les fesses dans la queue à la cantine, on va faire un petit bisou qui peut paraître innocent, au passage, mais quand il n'y a pas le consentement de la personne, concrètement, on est sur une agression sexuelle. C'est pas rien, parce que l'agression sexuelle, c'est un délit qui peut être puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Dernière situation, Lola participe à un festival. Alors qu'elle part se coucher, un jeune homme entre dans sa tente et lui impose une fellation en la menaçant avec un couteau. Est-ce qu'on est face à un outrage sexiste, une agression sexuelle ou un viol ? Dans cette situation, on est bien face à un viol, puisqu'ici, c'est imposer un acte de pénétration sexuelle à autrui sous la menace. Alors, simplement pour préciser un petit peu la question du viol, il faut savoir qu'il y a 2 conditions qui se cumulent pour que le viol soit reconnu. Déjà, un acte de pénétration. Alors là, dans la petite situation tout à l'heure, souvent on peut entendre que c'est une fellation, donc il n'y a pas de pénétration. Dans la loi, la fellation est considérée comme une pénétration, puisque la pénétration
pour que le viol soit reconnu n'est pas uniquement vaginale. Donc elle peut être vaginale, elle peut être anale ou elle peut être buccale. On est sur trois types de pénétration différentes. Donc oui, imposer une fellation à quelqu'un, c'est un viol. Sachant que, idem, on est aussi, parfois on peut penser que lorsque la pénétration n'est pas faite avec le sexe de la personne, on n'est pas face à un viol. Et pourtant si, on est sur une pénétration qui n'est pas seulement sexuelle par le biais d'un sexe, mais par le biais de tout corps étranger qui est pénétré dans la personne de la victime. Alors, l'introduction du corps étranger, elle est valable en revanche uniquement sur de la pénétration anale ou vaginale et non pas sur de la pénétration buccale. C'est la seule petite différence qu'il y a avec une pénétration avec un sexe. Également, sur la question du viol, la loi Schiappa dont tu parlais tout à l'heure, Fabienne, a rajouté une précision importante sur la pénétration. Puisqu'avant cette loi-là, donc avant 2018, le viol pouvait être reconnu uniquement quand la pénétration avait lieu sur la personne de la victime. Depuis 2018, lorsque c'est l'auteur qui se fait pénétrer, mais qui impose du coup à la victime de le pénétrer, on est aussi sur un viol. Et cette précision, elle est importante parce qu'elle permet notamment de condamner la pédocriminalité. Parce que dans beaucoup de situations... Donc de pédophilie, les auteurs insistaient sur le fait que ce n'était pas eux qui avaient pénétré l'enfant, mais que l'enfant les avait pénétrés sous la contrainte. Et comme dans la loi, la pénétration sur la personne de l'auteur n'était pas reconnue, il ne pouvait pas y avoir de viol de reconnu. Donc depuis 2018, c'est possible. Sachant que le viol est un crime. Donc concrètement, c'est l'infraction qui a le degré de gravité le plus grave. De ce fait, les délais pour porter plainte sont allongés par rapport à d'autres infractions. Lorsque la victime est majeure, elle a 20 ans à compter de la réalisation des faits pour porter plainte. Donc infraction importante, délai plus important pour porter plainte. Et lorsque la victime est mineure, elle a 30 ans à compter de sa majorité pour porter plainte. Bon, effectivement, nous, quand on rencontre des victimes de violences sexuelles et notamment de viol, si la personne se présente en nous disant « j'ai été victime de viol récemment », on peut que l'encourager à porter plainte récemment parce que malheureusement, la condamnation de ces faits-là demande des preuves assez importantes. Et plus vous allez attendre, moins les preuves vont être évidentes et vont être importantes. Donc même si les délais sont longs, c'est toujours important de pouvoir au mieux le dénoncer plus rapidement, si on veut. Étant donné que le viol est une infraction de gravité très élevée, la personne condamnée pour viol peut encourir jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle, sachant que de la même manière, lorsque ce viol a lieu dans le cadre d'un couple ou d'une relation amoureuse, vous avez également une circonstance aggravante, donc une condamnation qui peut être alourdie aussi. Tout à l'heure, j'ai oublié de préciser la deuxième condition quand même pour le viol, c'est évidemment l'absence de consentement. Le consentement ne se présume pas, c'est-à-dire que c'est important d'avoir conscience que la personne doit donner ou doit montrer du moins qu'elle est consentante. Et il ne se présume pas même dans un couple. Le viol conjugal est reconnu juridiquement, et ce n'est pas parce que vous êtes marié, ce n'est pas parce que vous êtes en concubinage ou pacsé que l'acte sexuel est une obligation. Tout le monde a le droit de dire non, que ce soit dans un couple ou pas. Idem, en ce qui concerne le consentement, souvent, on peut entendre que le consentement, lorsqu'il est donné au début de l'acte sexuel, ça veut dire que la personne est consentante tout le long de son acte sexuel. C'est faux. La personne peut très bien être consentante pour une pratique, la personne peut être consentante au départ de l'acte sexuel. Si au cours de l'acte sexuel, elle dit non, elle dit j'ai mal, elle s'arrête, elle se braque, concrètement, le consentement n'existe plus. Donc un viol peut être reconnu même si, dans un premier temps, la victime était consentante. C'est une précision qui est quand même importante. Alors,
Aujourd'hui, on parle évidemment beaucoup plus de la sexualité chez les jeunes, de la question du consentement, de la question des violences sexistes et sexuelles. Il faut savoir que récemment, le centre Hubertine Auclert a créé une campagne de sensibilisation de lutte contre les violences sexistes et sexuelles chez les jeunes. Alors, c'est une campagne qui s'appelle hashtag plus jamais sans mon accord. Concrètement, l'objectif est d'aider les jeunes femmes et les jeunes hommes aussi à repérer et identifier les violences sexistes et sexuelles et également à les encourager à agir, que ce soit agir en tant que témoin, agir en tant que victime. C'est une campagne qui est très intéressante parce qu'elle met à disposition différents outils pour les jeunes et pas que. Elle met à disposition donc, évidemment donc, des affiches, des brochures pour expliquer ce que sont les violences sexistes et sexuelles, mais également un site internet alors, qui est très très bien fait parce qu'il repose les bases de ce qu'est un acte sexuel, ce qu'est le consentement. Savoir qu'il y a des choses qui sont qu'un refus peut être normal, savoir finalement d'une certaine manière qu'est-ce qu'une relation sexuelle normale entre guillemets, du moins acceptée et consentie, c'est ce qui est important. Et justement pour apprendre à se connaître, apprendre ce qu'est la sexualité et comment éviter de tomber dans le cadre de violences sexistes et sexuelles. C'est une campagne qui est pour l'instant diffusée uniquement en Île-de-France, puisque c'est là-bas qu'intervient le centre Hubertine Auclert, mais on peut tous avoir accès à ce site internet-là, aux brochures, aux stickers également. Voilà, donc c'est un outil qui peut être quand même très intéressant, et pour les jeunes, et on en parlait tout à l'heure, pour l'éducation à la sexualité dans les écoles, ou même pour les parents. Ça peut permettre aussi aux parents de proposer cet outil-là à leurs enfants. Donc voilà, nous avons terminé notre intervention. Nous vous remercions beaucoup de votre attention. Juste petite précision, qu'on le soit professionnel, victime de violence, ou si vous avez besoin de toute information que ce soit, n'hésitez pas à contacter le CIDFF, on vous renseignera au mieux. On a oublié de l'indiquer, mais nous avons une page Facebook CIDFF Vendée et notre site internet cidff-vendée.fr. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention. J'ai une petite question par rapport au... Donc c'est une femme sur deux qui décède, hein, c'est ça, des violences. Et vous avez dit 27 hommes, c'est ça. Mais est-ce qu'on a une indication sur les hommes? Ce sont des hommes qui sont homosexuels? C'est un homme encore qui les a tués, entre guillemets? Ou si ce sont des femmes les auteurs, les autres? Alors, moi, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il y a, si je me trompe pas, deux couples homosexuels seulement, donc sur les deux hommes homosexuels finalement qui sont décédés sous les coups de leur conjoint. Après, il y a quand même beaucoup de chiffres, enfin une grosse proportion où ce sont les femmes qui ont tué leurs hommes après avoir été elles-mêmes victimes de violences conjugales. Et voilà, donc on est quand même sur une grosse proportion. Oui, il me semble que c'est la moitié, oui. Merci. Pour vous dire qu'en fait, on a reçu aussi ce matin des questions concernant l'éducation à la sexualité, avec des questionnements sur les âges des différentes interventions, etc. Donc, je n'ai pas les questions de cet après-midi, mais en fait, sur les questions sur l'éducation, Madame Agrapard va faire sa conférence. Et à l'intérieur de cette conférence, elle va intégrer en fait les réponses aux questions qui ont été posées. Donc, si je vois qu'il y a des questions qui n'y sont pas, eh bien, écoutez, je lui les poserai en fin de séance. Donc, voilà. Donc, j'appelle Véronique Agrapard, donc, qui est sexologue auprès du CFPD 85 et aussi sexologue en libéral, voilà. Donc sur une intervention sur le thème comment parler de la sexualité et de l'intimité, y a-t-il un âge pour parler de la sexualité? Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous faire ce petit topo-là que l'on me demande assez souvent, et donc on pourra en discuter si toutefois vous avez des questions après. Peut-être que vous ne serez pas forcément d'accord avec tout ce que je dis.
Voilà, je commence par me présenter. En fait, je suis sage-femme, je suis sexologue et thérapeute de couple. Je travaille donc au CEGID, au centre de dépistage des infections sexuellement transmissibles. Je travaille comme sexologue en libéral et je reçois des couples, des hommes, des femmes, des ados, des enfants. Je reçois pas mal de demandes d'intervention au niveau des collèges, des lycées et aussi des écoles primaires. Donc je fais des interventions à but préventif. Je suis conférencière et notamment pour les parents qui me posent ce genre de questions. Je suis promeneur du net, donc promeneur du net, c'est que nous sommes agréés par la Caisse d'allocations familiales pour répondre aux questions des jeunes sur le net via Facebook, Snap ou Instagram. Et ça permet aux jeunes d'avoir des référents adultes et professionnels pour répondre à leurs questions. Et puis je suis présidente d'une association que je viens de fonder qui s'appelle Stop aux violences sexuelles 85, qui a été créée en février de cette année et j'en suis la présidente. Pourquoi est-ce que je me présente ainsi? C'est pour vous dire que lorsque je peux répondre à des questions, c'est plus facile pour moi, faisant partie du centre de dépistage, de parler des IST par exemple. J'ai des collègues, si jamais j'avais un doute sur quelque chose, qui peuvent me renseigner. Bien sûr que je vais pouvoir parler d'égalité entre les femmes et les hommes parce que c'est quelque chose que je vais aborder systématiquement dans les classes dès la maternelle. Et puis je vais pouvoir parler bien sûr des violences sexuelles en étant présidente de cette association. Donc ça fait un panel de questions auxquelles je peux répondre. C'est pour ça que je me suis permise de me présenter auprès de vous. Alors, il faut savoir, ceux qui ont suivi la prestation de M. Landry de ce matin, il l'a dit, en fait, il y a des lois qui sont là depuis plus de 20 ans maintenant, qui décrètent que tous les enfants devraient avoir une information à la vie affective et sexuelle depuis la maternelle et jusqu'à la terminale, et ce, à raison de 3 séances par an et par classe. Donc vous voyez le nombre d'interventions que cela pourrait représenter sur l'espace d'une scolarité jusqu'au bac par exemple. Évidemment ce n'est pas fait du tout. Ils ont parfois une intervention, deux, et ça s'arrête à ça en général. Ils ont à peu près 2 heures, une fois ou deux fois tout le long de leur scolarité. Alors c'est vrai que normalement ça devrait faire partie du programme de primaire par exemple. Seulement, comme le disait Monsieur Landry, il arrive fréquemment que les professeurs de primaire ne se sentent pas suffisamment à l'aise pour le faire, donc vont le faire ou de manière excessivement succincte ou pas du tout. Quand on parle d'éducation à la sexualité, c'est quelque chose qui est très vaste et qui est très long à mettre en place auprès des jeunes. C'est pour ça qu'il faut autant de séances normalement. Vous allez avoir donc le commun de ces 3 façons d'aborder la sexualité, qui est que ça va être bien sûr une approche globale qui va être positive et bienveillante. Mais pour ça, il va falloir aller du côté du biologique, c'est-à-dire aller du côté de l'anatomie, de la puberté, de la prévention, des IST, la contraception, les IVG, etc. On va avoir une approche plutôt psycho-affective avec tout ce qui va représenter l'estime de soi, la relation aux autres, les émotions, l'identité sexuée, les compétences psychosociales. Vous voyez que les émotions, on va y revenir. Par exemple, c'est quelque chose que l'on va pouvoir aborder dès l'école primaire. Le social, tout ce qui est rôle sexué, stéréotypé, le développement de critiques par rapport au milieu familial ou par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au sexisme dont on vient nous parler, l'éducation aux médias bien sûr. Et puis connaître la loi, on est un pays de loi, un pays de devoirs et un pays de droits. Il faut que chaque citoyen, mineur ou pas, connaisse ses droits et ses devoirs. Donc c'est important qu'il connaisse cela, les valeurs, les normes et bien sûr la prévention des violences sexuelles. Donc vous voyez qu'aborder déjà ces 3 aspects-là, on ne peut pas le faire en une séance, c'est beaucoup trop lourd. Donc il va falloir le faire sur plusieurs années de scolarité. Vous avez un document qui est très important, qui est la stratégie nationale de santé sexuelle. Si vous ne le connaissez pas, je vous engage à le télécharger sur internet, il est tout à fait téléchargeable, qui nous a donné un agenda sur 13 ans, 2017-2030, nous en sommes à la 3e année, et vous verrez que si vous déroulez les pages, vous allez avoir tout un tas d'items qui vous montreront que chaque personne qui est en contact avec les enfants ou les adolescents doit être en mesure de pouvoir lui donner des informations
d'information, de prévention, que ce soit par rapport à la santé sexuelle, que ce soit par rapport à la vaccination, que ce soit la santé reproductive par exemple, et bien sûr par rapport aux violences sexuelles. Donc à partir du moment où vous avez connaissance de cette stratégie nationale de santé sexuelle, vous êtes en droit et en devoir, je dirais, de pouvoir en parler. On me pose souvent la question par rapport à des animateurs, par exemple dans les centres pour les jeunes, s'ils peuvent parler des règles ou autres. Bien sûr, puisque cela fait partie de la violence sexuelle, et que chacun qui est en contact avec des mineurs peut se permettre de le faire. Et si les parents émettaient quelques réticences, on peut mettre en avant cette stratégie nationale de santé sexuelle et vous pouvez être couvert par rapport à ça. Vous avez l'UNESCO qui a mis en place déjà depuis plusieurs années ce qu'ils appellent l'éducation complète à la sexualité. Ça a été mis en place dans de nombreux pays du monde depuis pas mal d'années déjà. Et ce qui est important à savoir, c'est que dans certains pays nordiques, que ce soit la Belgique, mais que ce soit après la Suède, la Norvège, etc., l'éducation complète à la sexualité a été déjà mise en place depuis de très nombreuses années, dès la maternelle. Et tous les items sont ouverts, c'est-à-dire que grâce à cette éducation complète à la sexualité, on s'est aperçu que les jeunes filles, par exemple, avaient moins, les jeunes filles et les jeunes garçons d'ailleurs, les deux, avaient moins de partenaires sexuels à l'adolescence, avaient des partenaires sexuels plus choisis, il y avait moins de violences sexuelles, il y avait moins de recours à l'IVG, il y avait moins de grossesses mineures, par exemple. Donc on sait maintenant, nous avons les chiffres, pour dire que l'éducation complète à la sexualité va permettre énormément d'avancer au niveau de la sexualité, et non pas, comme on peut l'entendre dire, que le fait de parler de sexualité va initier les jeunes. Bien au contraire, ce ne sont que des actes de prévention, et il va falloir absolument en parler le plus possible pour pouvoir, au contraire, protéger les jeunes grâce à cela. Alors, cette fameuse question, à quel âge faut-il parler de sexualité ? L'éducation complète à la sexualité le dit, ça va être dès la naissance. Alors, parler de sexualité, c'est un grand mot, mais ça va être parler d'intimité, ça va être savoir nommer les zones sexuelles. On peut très bien dire à un enfant en bas âge qu'on va lui l'aider à nettoyer ses fesses ou sa vulve, etc. C'est pas un gros mot, et si l'enfant connaît ces mots-là, ça lui permettra de se protéger au mieux. Bien sûr qu'en maternelle, on peut déjà démarrer une éducation à la sexualité. On va parler de termes médicaux, on va avoir des petits schémas à notre disposition qui sont, on en a pas mal, mais vous voyez que des petits schémas comme celui-ci, c'est pas très choquant. Et quand on est en grande section de maternelle, on peut entendre parler du mot vulve ou du mot pénis sans que ce soit vulgaire, sans que ce soit quelque chose de choquant pour les enfants. Ils connaissent le mot. Et ils ne posent aucun problème à pouvoir répéter ce mot-là, ce ne sont pas des mots compliqués, et pour eux, au moins, il y a une explication à cette partie anatomique et à leur partie intime. Il y aura des choses comme cela qui sont très simples. On est habillé, on est tout nu, on a un pénis, on a des fesses, on a des seins et il y a une vulve. Voilà, et les enfants, voilà, il peut y avoir quelques petits rires en maternelle, ça ne dure pas bien longtemps, une fois qu'ils connaissent les mots, ils sont contents, on les a pris pour des grands et ils vont pouvoir s'exprimer comme des grands, même à la maison. Et ils sont souvent très très fiers de savoir s'exprimer comme des grands. À la maternelle, comment j'agis auprès des jeunes ? Eh bien, la première des choses que je fais quand j'interviens en grande section de maternelle, c'est que je vais parler de notion d'égalité entre les filles et les garçons. Vous allez voir à la diapositive suivante un petit peu comment ça se passe. Mais c'est important de démarrer par cela, parce qu'ils ont déjà des stéréotypes dès 4 ou 5 ans. Les filles ne jouent pas au foot, les garçons ne pleurent pas, etc., etc. Donc il va falloir intervenir très vite là-dessus pour que justement nous n'ayons pas les soucis de violences sexistes dont parlaient ces dames du CIDFF tout à l'heure. Il va falloir commencer très très tôt à leur donner ces notions-là. Et si on peut en même temps donner ces notions-là aux parents, parce que bien sûr quand ils entendent des insultes sexistes dans la voiture par papa ou maman, ils ont tendance à les répéter. On va parler beaucoup, beaucoup au niveau des émotions.
Les enfants connaissent les émotions, ils ne savent pas forcément les reconnaître dans leur corps, donc il va falloir nommer ces émotions-là avec eux, enlever ce stéréotype garçon-fille, puisque les garçons, on entend encore aujourd'hui qu'on peut leur dire « mais quand même, tu vas pas pleurer, t'es un garçon ». Ou « t'es une fille, tu te mets pas en colère, c'est pas joli une fille qui se met en colère ». Alors, il va falloir enlever les stéréotypes filles-garçons, et puis il va falloir nommer les émotions, et surtout, on va apprendre aux enfants à reconnaître ces émotions dans leur corps, c'est-à-dire à savoir où ça se situe, comment leur corps est quand ils sont en colère ou quand ils sont tristes. Et là, ça, on a déjà plusieurs séances à faire à ce niveau-là. Puis, une fois qu'on leur a dit comment ils pouvaient les reconnaître, comment ils les ont reconnus entre eux, on va pouvoir leur demander... est-ce que vous auriez un besoin par rapport à cette émotion ? Lorsque tu es triste ou quand tu es en colère, tu as besoin de quoi ? D'un câlin, d'en parler, etc. Et ils vont pouvoir apprendre à exprimer leurs besoins par rapport à ces émotions. Voilà le genre de petites choses qu'on s'amuse à faire quand on est en maternelle pour dire qu'il n'y a pas de métier de fille, de garçon, ni d'émotion. Un garçon qui peut être un grand chef cuisinier, qui peut être triste, une jeune petite fille qui joue aux super-héroïnes, qui peuvent devenir ce qu'ils veulent, qui peuvent faire ce qu'ils veulent comme métier, ou qu'une petite fille, par exemple, peut être en colère. Par rapport aux émotions, certains connaissent certainement ce petit bonhomme message qui exprime les émotions et les besoins. On va avoir la tête qui va exprimer ce que j'ai pensé, ce qui s'est passé, ce que tu as dit, ce que j'ai dit. Et puis le ventre qui va dire comment je me sens, est-ce que je suis tendue, est-ce que je suis détendue au niveau de mon ventre, je sens que je suis comme ci, comme ça. Le cœur, pardon, qui dit je suis comme ci, comme ça, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur. Puis le ventre qui dit ses besoins, j'aurais plutôt besoin de ceci ou cela, un câlin, etc. Et puis on ne voit pas les jambes, mais les jambes sont là pour l'action. Alors je vais aller dire à papa, maman que j'ai besoin d'un câlin, ou je vais aller leur dire ce qui s'est passé parce que ça va me soulager. C'est un outil qui fonctionne très bien. Alors ensuite, une fois qu'on a pu faire tout ça, on va pouvoir aborder l'intimité avec l'enfant. Donc bien sûr, il aura fallu déjà au préalable parler d'anatomie, c'est ce que je vous ai exprimé. Puis il faut que la notion d'émotion ait été comprise par l'enfant, et seulement après on va pouvoir parler des parties intimes, et là ça sera facilité à ce moment-là. C'est très important de nommer ces parties intimes, comme on disait tout à l'heure par rapport aux violences sexuelles. Si l'enfant ne sait pas quelles sont ses parties intimes, il ne pourra pas reconnaître qu'on l'a agressé, par exemple, au niveau de ses parties intimes, dont les cuisses, qui ne sont pas toujours connues, par exemple, l'intérieur des cuisses. C'est très important d'expliquer à l'enfant ce qu'est l'intimité, ce qu'est la pudeur, et que ce n'est pas contre nature que d'être pudique. C'est très important d'intimer la notion aux parents que la salle de bain et les toilettes sont une zone d'intimité. Et que à partir du moment où l'enfant sait se laver tout seul, que l'enfant, on va le rendre plus autonome, plus responsable et plus grand. Si on arrête de le laver ou de le déranger quand il est dans la salle de bain ou les toilettes. Donc une fois que l'enfant atteint ses 5-6 ans, en fonction de l'autonomie de chaque enfant, on va pouvoir lui apprendre à fermer sa porte de salle de bain, sa porte de toilette, et à être respecté au niveau de son intimité à ce niveau-là. Et à l'inverse, bien sûr, à demander aux parents qu'ils ne se promènent pas sans arrêt tout nu dans la maison, et que même donc ne laissent pas entrer leur enfant ni dans la salle de bain, ni dans les toilettes, ni évidemment dans la chambre conjugale. Tout ça, ça va faire que l'enfant, en ayant connaissance de ses émotions, en ayant connaissance de son anatomie, en ayant connaissance de ses besoins et de cette notion d'intimité, va pouvoir dire « ça fait oui » ou « ça fait non » à l'intérieur de moi. On fait très bien comprendre à un enfant que quand... papa ou maman masse les pieds ou masse le dos, mon corps est complètement relâché et ça fait oui à l'intérieur de moi, j'ai envie que ça continue, tout mon corps s'ouvre et je suis content. Et par contre, quand quelqu'un veut me faire un bisou et que je n'aime pas cette personne, ça fait non, tout se referme et je me sens tout recroquevillé, tout tendu à l'intérieur de moi. Et ça, les enfants savent très très bien l'exprimer, et donc on leur apprend que quand ça fait oui, je peux dire oui, et quand ça fait non à l'intérieur de moi, que tout se ferme, à ce moment
moment-là seulement, je vais pouvoir dire non. Donc, on va mettre en place les situations à risque auprès des enfants. On n'a pas le droit de me toucher au niveau des zones intimes. On n'a pas le droit de faire de bisous sur la zone intime. On n'a pas le droit de me photographier sur ma zone intime. On n'a pas le droit de voir ma zone intime. Mais on n'a pas le droit non plus de me demander de toucher la zone intime de quelqu'un d'autre, ni d'embrasser la zone intime de quelqu'un d'autre, ni de photographier la zone intime de quelqu'un d'autre, ni de regarder la zone intime de quelqu'un d'autre. Et à partir du moment où on met en place ce genre de précautions, l'enfant sait très bien ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut pas faire. On va lui apprendre à se protéger, c'est-à-dire à dire non à l'adulte. Et on mime, hein, on fait des petites scénettes, on s'amuse, hein, quand on fait ça. Et souvent, je vais demander à un enfant de dire non, par exemple, hein, de mimer. Si je veux te toucher là, le ventre et que tu n'as pas envie, comment tu vas me dire non? Et souvent, ils sont très, très mignons parce qu'ils me disent « Non, arrête !» Je vais dire, non, bah, tu vois, pour une fois, tu vas avoir le droit de mettre la main comme ce petit garçon sur ta taille et de me dire un grand non et de me faire signe, non, arrête. Et puis après, tu auras le droit de partir et tu auras le droit d'en parler. Oui, mais à qui je vais en parler? Eh bien, tu vas pouvoir en parler à un adulte de confiance. Ça va être ou ta maîtresse ou peut-être papa, maman, une grande sœur, peu importe, mais un adulte qui peut... Te rassurer, un adulte avec qui tu te sens bien et avec qui tu peux être sûr qu'il va t'aider en cas de problème. Donc on aborde cette notion d'adulte de confiance. Tout ça, ça se passe entre la grande section, CP, CE1, etc. Quand on arrive au CE2 à peu près, on va commencer à ce moment-là à parler de conception et de grossesse. On va y rajouter la notion de puberté, on va rajouter la notion d'être amoureux, parce que, bien sûr, les enfants disent bien qu'ils sont amoureux quand ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc. Mais on va essayer d'aborder ensemble, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être amoureux quand on a 9 ans ou 10 ans? Et puis, on va commencer à parler des écrans. Alors la conception, c'est vrai que c'est facile pour moi parce que je suis sage-femme sexologue, donc ça me plaît beaucoup de leur en parler. Et alors eux, ils attendent cette séance-là avec beaucoup d'impatience. Ils adorent parler de comment on fait les bébés. Voilà, c'est une séance où ils s'amusent beaucoup. Donc on va parler de conception, on va parler bien sûr un petit peu d'anatomie. On va y revenir, féminine comme masculine. Et puis on va parler d'accouchement. Alors ça leur plaît aussi beaucoup. Et puis on va leur parler même de césarienne. Ça leur posera aucun problème à cet âge-là de parler de ces choses-là. Ils sont très très contents. Ils sont ravis qu'on les prenne pour des grands et qu'on leur raconte la vérité. Puis après, on va aborder la puberté. Donc on va aborder la puberté chez les filles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de filles deviennent pubères dès l'âge de 9-10 ans. Ça veut dire qu'en CM1, CM2, c'est vraiment pas rare du tout qu'il y ait une à deux filles par classe qui ont leurs règles. Donc c'est vraiment important de leur dire que ça peut arriver déjà en CE2. Parce que sinon, certaines vont avoir leurs règles avant qu'on leur en ait parlé. Donc moi, je conseille toujours aux parents d'en parler à peu près vers 8-9 ans. Une fois que c'est fait, elles le savent. Si ça leur arrive qu'à 14 ans, ben elles le sauront. Et puis si ça arrive l'année d'après, au moins elles n'auront pas peur. Donc on va parler bien sûr de toutes les modifications physiques, les seins, les hanches, la taille, la pilosité, les règles. Et puis on va parler bien sûr de la puberté chez le garçon et des modifications physiques aussi. Alors généralement, hein, quand on commence à parler de ça avec des garçons ou des filles, je vous garantis qu'il n'y a pas grand-chose qui leur fait plaisir aux filles. Là, ça ne leur plaît pas tellement tout ça. Par contre, les garçons, quand on commence à parler d'augmentation de la taille du pénis et des testicules, de la pilosité des épaules, ils sont plutôt contents. Par contre, la voix, moyennement, ils n'aiment pas trop ça. Et puis, on va commencer à parler des écrans. Alors, toujours, ce qui est important, c'est de rappeler la loi. Et la loi, c'est qu'il faut avoir 13 ans pour être sur les réseaux sociaux et qu'il faut avoir 18 ans pour accéder à la pornographie.
13 ans pour les réseaux sociaux, ça en fait rire plus d'un quand je dis ça en CM1, CM2, puisque ça fait déjà belle lurette qu'ils ont un compte Snap et Instagram. Et lorsqu'on parle de jeux vidéo tels que Fortnite, par exemple, pour ne citer que lui, il faut savoir qu'il communique souvent avec l'extérieur, avec ses réseaux, avec ses jeux vidéo. Donc on peut les compter parmi les réseaux sociaux parfois. Donc c'est important de leur rappeler la loi. Je ne suis pas pour stigmatiser les réseaux sociaux ou Internet et les diaboliser. Il faut aussi en vanter les mérites, c'est très important. Je crois que si nous avions eu Internet et les réseaux sociaux lorsque nous avions leur âge, en étant pré-ado ou ado, on aurait été vraiment contents. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui Internet, c'est une vraie chance pour eux, vraie chance. Seulement, il va falloir les prévenir des dangers. Il va falloir les prévenir de la violence qui peut exister sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Il va falloir parler du sexisme, très vite, du racisme, de l'homophobie, et j'en passe et des meilleurs. Donc on va voir que très très vite, les jeunes qui vont beaucoup sur les réseaux sociaux ou sur Internet, déjà en primaire, vont avoir énormément de conséquences sur leur sommeil, sur leurs résultats scolaires, sur leur santé. Les orthoptistes ont beaucoup de soucis à se faire par rapport au visionnage sur les écrans, etc. Donc c'est important qu'on puisse nommer en tout cas les dangers aussi. Alors, passons à l'adolescence. À l'adolescence, il va falloir reprendre un petit peu tout ça. Donc, on va leur rappeler les changements à l'adolescence physique, psychique, par lesquels ils vont passer, les étapes par lesquelles ils vont passer. C'est très important de rappeler l'anatomie parce que parfois, on a l'impression qu'ils savent l'anatomie. En réalité, ils n'en savent pas grand-chose. On va reparler des émotions en sixième, en cinquième, c'est très important parce que pour eux, c'est banalisé et ils n'osent pas toujours les exprimer, ces émotions. On va rappeler l'égalité entre les femmes et les hommes et la notion de sexisme. Tout ça, ce sont des rappels permanents. C'est pour ça que c'est si important, normalement, qu'ils aient cette éducation affective, relationnelle et sexuelle tous les ans, 3 séances par an, parce qu'il va falloir rappeler ça à chaque fois. On va rappeler la notion d'intimité à des ados qui changent dans leur corps et leur dire que c'est normal s'ils n'ont plus envie qu'on rentre dans leur salle de bain et qu'ils doivent vraiment le dire à papa-maman. Et bien sûr, il va falloir commencer à aborder ces histoires de respect, de consentement, si ça n'a pas été fait avant, mais normalement c'est quelque chose qu'on aborde dès la maternelle. Mais on va le réaborder, on va aborder la notion de sexualité respectueuse et harmonieuse. Et nous, en tant qu'adultes, il ne faut pas qu'on ait honte d'être un guide. Parfois, on va se dire « Oh, il va nous traiter de ringards, etc. » C'est pas grave. Soyons ringards, il n'y a aucun problème avec ça. Mais avant d'être ringard, pensons que nous sommes des guides pour nos enfants et qu'on peut les emmener sur un chemin. Ils choisiront leur chemin, mais on peut leur en montrer un tout de même. Alors, pour revenir à l'adolescence, quand on parle de début et de fin d'adolescence, comme je vous disais, la préadolescence, ça commence très tôt. On va voir que ça peut commencer vers 10 ans, voire peut-être avant. Voilà. Quand on parle parfois de fin d'adolescence, on peut aller très loin. Et parfois, certains disent que certains garçons, surtout, peuvent aller jusqu'à 30 ans. C'est les fameux tanguis. Tout dépend comment on définit l'adolescence. Mais si c'est l'autonomie, être chez soi et savoir faire ses courses, à manger, gérer son budget et travailler, on voit que ça peut aller jusque assez loin. Et pendant cette période-là, à quel moment survient la puberté? Ben, en fait, cette puberté qui est la transition entre l'enfance et l'adulte, hein, chez les filles, on voit que ça peut démarrer depuis 8 ans jusqu'à à peu près 13 ans en moyenne, un peu plus tard chez les garçons, 9 ans, 14 ans en moyenne. Alors, la santé sexuelle chez les hommes, chez les jeunes, pardon, ça va passer par le danger du visionnage précoce de la pornographie. Monsieur Landry l'a dit ce matin, je vous conseille de revoir en replay si vous n'avez pas pu assister à sa conférence de ce matin, il en a parlé énormément. Il va falloir parler du premier rapport sexuel qui va être déterminant, et comme on l'a dit aussi ce matin, premier rapport sexuel, ça ne veut pas dire forcément premier rapport sexuel pénétrant. À partir du moment où il y a échange de caresses au niveau des parties intimes, ce sont
des rapports sexuels. Et ces rapports sexuels, s'ils ne sont pas faits dans l'harmonie, dans le respect, le consentement, ils peuvent laisser des séquelles énormes alors qu'il n'y a pas eu de pénétration. Donc c'est très important de pouvoir faire de la prévention à ce niveau-là. Bien sûr, on va parler de la prévention au niveau des infections sexuellement transmissibles, de la contraception évidemment. Mais on va parler beaucoup, beaucoup de notions de consentement avec les jeunes et quid du consentement lorsqu'il y a de l'alcool. Les dames du CIDFF ont parlé tout à l'heure de l'absence de consentement à différents moments de la relation affective. Une personne alcoolisée ne peut pas donner son consentement, donc c'est très important de donner cette notion aux jeunes qu'une personne alcoolisée ne peut pas consentir et qu'il n'y a pas de consentement à la relation sexuelle si la fille a bu, par exemple, si c'est dans ce sens-là. Bien sûr, on va parler de la pression des réseaux sociaux, du harcèlement, des insultes, du sexisme. Tout ça, ça va être la santé sexuelle que l'on va faire depuis la sixième jusqu'en terminale. Ce sont des notions qu'il va falloir aborder. J'aborde énormément l'anatomie à l'adolescence lorsque je vais voir des collégiens ou des lycéens, mais déjà avec les collégiens. On leur donne toujours des schémas reproductifs alors qu'on devrait leur donner des schémas anatomiques. Et je leur donne toujours un schéma du clitoris parce que tout simplement, ça fait 2 ans seulement que le clitoris apparaît au niveau des manuels scolaires et encore il n'y en a qu'un sur une quinzaine de manuels scolaires qui aborde le clitoris chez la femme. Donc il y a une certaine violence à ce niveau-là. On ne parle pas de tous les organes chez la femme alors qu'on l'aborde chez les hommes. Pour les garçons, ils n'ont pas tellement de soucis avec leur anatomie parce qu'ils touchent leur sexe depuis qu'ils font pipi tout seuls. Donc pour eux, l'anatomie ne leur pose pas de problème. Par contre, pour les jeunes filles, c'est un peu plus compliqué de savoir comment elles sont faites. Alors pour garçons et filles, je leur donne ce genre de schéma ou d'autres. J'aime bien celui-ci tout simplement parce que beaucoup de jeunes filles ne se sont jamais regardées, même à 14, 15 et plus, et donc elles ne savent absolument pas comment elles sont faites. Et j'aime bien ce schéma-là, surtout parce qu'il y a des poils, et que c'est important d'aborder la problématique de la pilosité chez les jeunes, puisque comme la plupart des jeunes hommes, jeunes garçons, on va dire, ont déjà vu du porno, ils ont l'impression que toutes les filles n'ont pas de poils. Et lorsqu'ils rencontrent leur premier partenaire sexuel qui a des poils, ils vont être très dévalorisants à ce niveau-là, en disant « comment ça se fait, t'as des poils, c'est sale, c'est dégoûtant ». Eux ont même des poils, mais la fille n'a pas le droit d'en avoir. Cependant, on voit aussi un changement du côté des garçons qui sont en train de commencer à se raser et à s'épiler au niveau des parties intimes pour ressembler aussi aux acteurs porno. Donc c'est vraiment important de leur dire la fonction du poil, qui est une fonction préventive des infections et des irritations et qui n'est pas sale du tout. Donc voilà, j'aborde généralement, je passe un long moment à cette anatomie féminine qui est mal connue des jeunes en général. Puis on va parler ensemble un petit peu de ce qui se passe dans leur tête parce qu'ils sont perdus, ils ne savent pas pourquoi, ils ont certaines réactions. Donc je leur parle de deux crises pendant l'adolescence, c'est la crise narcissique et la crise identitaire. Je ne vais pas trop détailler ici, juste pour en dire 2 mots, la crise narcissique ça veut dire qu'ils essayent de se reconnaître. C'est pour ça qu'ils passent autant de temps devant un miroir, c'est que ce corps qui change, ce visage qui change, tous ces changements au niveau du corps, ils ne se reconnaissent pas au niveau d'eux-mêmes et comprennent rien à ce qui est en train de se passer dans leur corps et ils essayent de ressembler à une norme et c'est ce qu'on appelle la crise narcissique. Quant à la crise identitaire, c'est le moment de passage entre l'âge enfant et l'âge adulte et il faut qu'ils créent leur propre identité. Et pour créer sa propre identité, on est obligé de casser avec le schéma parental, de s'opposer à ce schéma parental. C'est pour ça que parfois il y a des heurts avec les parents. Ces deux phases sont importantes à passer quand on est ado. Alors parfois certains les passent à 10 ans et puis d'autres à 18. C'est très différent d'enfant à l'autre. La notion de crise n'est pas toujours adaptée. Il faudrait pouvoir parler plutôt de changement. C'est plutôt un changement, l'adolescence, qu'une crise, une période de transformation, parce que le mot crise, c'est assez péjoratif, c'est assez désagréable, alors que la période de changement, c'est beaucoup moins désagréable.
Et puis, c'est pas forcément bruyant. Il y a des enfants qui passent cette période de changement de façon très calme, très posée, et qui n'ont pas de problématiques plus que ça. C'est juste un passage. Par contre, pour certains, ça va être très inconfortable. Cette oscillation permanente entre l'enfant et l'adulte va faire que eux, ils sont dans un inconfort permanent. Les parents aussi, mais il faut dire que les enfants sont souvent très très inconfortables et trouvent cette période vraiment très compliquée pour eux-mêmes. Alors, le fait d'être un guide, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire ne pas être dans le jugement. Si on commence à être dans le jugement avec les enfants, les ados, eh bien ils poseront plus de questions. Donc, il va falloir essayer d'accueillir leurs paroles sans tout de suite les juger et puis leur permettre de poser ces questions-là. Si on veut qu'ils se tournent vers un adulte de confiance pour poser leurs questions par rapport à la sexualité, il va falloir absolument pouvoir ouvrir la parole par rapport à ses enfants. Je sais bien combien c'est difficile en tant que parent de le faire, mais on le verra ensemble. Il peut y avoir des livres, il peut y avoir des sites internet si on n'est pas à l'aise. Puis parfois l'enfant va se tourner plutôt vers un grand-père, vers une grande-mère, une grande sœur, un oncle, une tante, etc. Donc il n'y a pas que les parents qui sont des guides, tous les adultes qui peuvent les amener vers cette sexualité respectueuse va pouvoir être un guide pour l'enfant. Comme le disait M. Landry ce matin, c'est excessivement important de commencer par la notion de plaisir et non pas par les dangers. Donc il va falloir absolument leur dire que faire l'amour c'est plaisant, que c'est agréable et c'est parce que on a envie de ce plaisir qu'on le fait. Ça veut dire que bien sûr on va rejeter la notion de douleur et qu'en aucun cas un rapport sexuel ou qu'il soit pénétrant ou pas peut être douloureux. Donc ça c'est très important à leur dire et à leur répéter. C'est important de leur répéter l'intérêt d'être en état amoureux, que normalement on a son cœur qui bat, qu'on plane à 10 000, qu'on pense plus qu'à ça et que c'est vraiment un sentiment très agréable et qu'ils prennent le temps d'être dans ce sentiment amoureux. On va leur parler de préliminaires, mais eux ils parlent de prélits. Et les prélits dont ils parlent, ce n'est pas des préliminaires, ils ont changé la fonction de ce mot. Les préliminaires tels qu'ils devraient être, c'est tout ce qui est hors zone sexuelle et partie intime. Ça veut dire que ça va être le petit bisou du matin, ça va être le repas qu'on va passer ensemble, ça va être les moments de complicité, ça va être les moments de confidence, ça va être les caresses, ça va être se prendre la main, ça va être s'embrasser, ça va être tout ça les préliminaires et non pas leur définition à eux de préliminaire qui consiste à fellation cunnilingus, point barre. Et si ce n'est pas sodomie, parce que la plupart considèrent maintenant la sodomie comme un préliminaire. Donc il va falloir remettre les choses en place et leur dire, nous qui sommes des guides à ce niveau-là, leur dire non, ce n'est pas ça des préliminaires. Les préliminaires, c'est ça. Voilà. Et après, il y aura les pratiques sexuelles. Et la fellation, le cunnilingus sont des pratiques sexuelles, ce ne sont pas des préliminaires. Donc je leur dis toujours que certains couples passent leur vie entière à ne pas faire de sexualité orale, fellation cunnilingus, et qu'ils ont pour autant énormément de plaisir, énormément de respect entre eux, et qu'ils sont totalement épanouis dans leur sexualité et qu'on n'est pas obligé de faire ça. Alors, ils sont souvent très étonnés de ce que je leur dis, parce que pour eux, c'est évidemment le début d'une activité sexuelle, c'est forcément cunnilingus et fellation, puisque ce sont des prélits. Donc voilà, il faut tout détricoter, tout reprendre avec eux. Et puis leur dire ce que c'est que le désir, ce que c'est que le plaisir, ce que c'est qu'un orgasme. On a vu avec Monsieur Landry tout à l'heure que beaucoup n'ont pas d'orgasme, ils le croient, mais en réalité non, ce sont ce qu'on appelle des orgasteux, c'est-à-dire un orgasteux, eh bien c'est des manifestations mécaniques du corps, mais en fait il n'y a pas toutes les manifestations psychiques, émotionnelles, sensorielles au niveau du corps. Donc on reprend tout ça ensemble. Puis on va reprendre les différentes sexualités, les orientations sexuelles, le genre. Généralement, je réponds à leurs questions concernant l'homosexualité, la bisexualité, le triolisme, l'amour à trois. Alors souvent, voilà, ils sont adeptes hein, de tout essayer. Donc j'ai souvent pour manière de leur dire que ben pourquoi pas, ça sera leur responsabilité. Cependant, c'est déjà très compliqué de savoir faire l'amour à deux. Donc ils sachent déjà faire l'amour à deux et après ils verront pour faire à trois, à quatre ou plus. On parle de sexualité orale, de sodomie, de sex friend, et puis on parle aussi du genre, on parle de tout ça.
Alors, je leur parle beaucoup de ces trois facettes de la sexualité parce qu'ils confondent un petit peu tout. Il y a le sexe biologique, ça c'est pas compliqué, comme je leur dis, un enfant naît, moi qui étais sage-femme, on regarde entre les jambes et on voit que, si c'est un garçon ou une fille, donc c'est le sexe assigné à la naissance, donc généralement c'est pas compliqué à deviner. Ce qui va être un peu plus compliqué, c'est le sexe social, c'est-à-dire l'identité de genre, c'est est-ce que si je suis un garçon, est-ce que, au niveau de mon sexe biologique, est-ce que dans mes correspondances sociétales, je me sens garçon à l'intérieur de moi, ou bien est-ce que je me sens fille au contraire? Et dans ce cas-là, je vais avoir un genre qui ne va pas être égal à mon sexe biologique. Donc ça, c'est important qu'ils sachent ces notions-là et que ce n'est pas quelque chose que l'on choisit, c'est quelque chose que l'on a depuis sa naissance. Pareil pour l'orientation sexuelle, le fait d'être hétérosexuel, de choisir un partenaire du sexe biologique différent du sien ou le même que le sien homosexuel ou aimer avoir des relations sexuelles avec les deux, être bisexuel, ce ne sont pas des choix dans la vie, mais que ce sont des choses qui nous sont imposées depuis notre naissance. Personne ne choisit d'être homosexuel ou d'être bisexuel ou hétérosexuel, c'est quelque chose que l'on ressent depuis la naissance. Donc on discute beaucoup avec ces notions-là avec les jeunes, puisque vous savez qu'il y a énormément d'homophobie souvent dans les collèges et les lycées, il y a beaucoup d'insultes homophobes, donc j'essaie de leur faire comprendre que ce sont des violences extrêmement dangereuses et qu'ils n'ont pas le droit de proférer ces insultes-là. Le SAS, ça veut dire satisfaction, autonomie et sécurité. C'est important de revenir là-dessus, de leur dire que la satisfaction, c'est important. On doit avoir du plaisir quand on est à deux dans une relation affective. On doit être mieux à deux que seul. Donc si déjà le fait d'être en couple, parce qu'ils se disent en couple très vite, on est stressé, on n'est pas bien, on n'endort pas la nuit parce qu'il y a de la pression ou parce qu'il y a de l'humiliation, de la dévalorisation de la part de son ou sa partenaire, ce n'est pas possible. Normalement, en couple, on doit avoir cette notion de plaisir à être ensemble et aussi de plaisir sexuel. Il ne doit pas y avoir de douleur et on doit se respecter dans ses désirs. L'autonomie affective, c'est important, il va falloir leur rappeler. Financière, ils ne l'ont pas encore généralement quand ils sont tellement jeunes. Psychologique, oui, c'est-à-dire que l'autre ne m'appartient pas. Bien sûr, souvent, il y a une objectivation des jeunes entre eux. Ils appellent ça de la jalousie, mais ce n'est plus de la jalousie, c'est je te considère comme un objet et tu dois m'appartenir. Ça veut dire que si tu es avec moi, tu n'as plus le droit de sortir avec tes copains et tes copines. Et ça, je leur apprends que c'est une privation de liberté, que c'est interdit par la loi. Et on ne peut pas imposer une privation de liberté à quelqu'un. Donc chacun est autonome aussi au niveau psychologique. Quant à la sécurité, c'est très important dans une relation de couple, qu'elle soit affective, contraceptive ou par rapport aux IST, bien sûr. Par rapport à Internet, les réseaux, surtout, encore une fois, leur redire, parce que sinon on n'est pas leur copain du tout, de toute façon, qu'il n'y a pas que des dangers, mais c'est réel. Les jeux en réseau, on sait que ça optimise le travail en équipe et leur curiosité à l'égard des autres. Beaucoup de grands entrepreneurs m'ont dit qu'ils n'avaient aucun problème pour travailler en équipe avec les jeunes actuellement parce qu'ils savent le faire depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils ont travaillé, qu'ils ont joué en réseau, ils savent travailler avec les autres de façon réciproque, ils n'ont pas de soucis avec cette réciprocité sociale, ils savent travailler avec le monde entier en temps réel et ils sont très efficaces à ce niveau-là, beaucoup plus efficaces que notre génération. Donc c'est un gros avantage de la suite des jeux en réseau. Bien sûr que ces réseaux sociaux sont un moment et un espace d'expérimentation sociale. Ça devrait être un espace d'expérimentation sociale positive et toujours positive. On sait que ce n'est pas le cas malheureusement, mais pourtant à la base, c'est un espace d'expérimentation sociale qui peut être quand même très très intéressant et encore une fois qu'on aurait aimé avoir à leur âge, donc ne leur en privons pas, mais prévenons-les des dangers. Certains pédopsychiatres disent qu'il n'y aurait pas d'addiction au jeu, contrairement à ce que l'on pense, mais que le temps passé serait un révélateur plutôt de malaise sous-jacent. Un jeune qui s'enferme toute la journée avec des réseaux sociaux ou des jeux serait un jeune en mal-être, et ce n'est pas le jeu qui le rend en mal-être.
Les jeunes qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux ont des performances augmentées quant à l'attention et la perception rapide. Ils sont capables d'agir beaucoup plus rapidement que nous. Ils ont des réflexes beaucoup plus rapides que leurs parents. Et c'est un gros, gros avantage pour eux. Donc, comme quoi, il y a quand même beaucoup d'avantages aussi à être sur les réseaux sociaux ou sur les jeux. On peut les accompagner par rapport à ça. Il y a des outils comme celui-ci qui sont 10 conseils pour rester net sur le web de la CNIL. C'est par exemple avoir des pseudonymes, c'est ne pas donner son mot de passe, c'est sécuriser ses comptes. Moi qui suis promeneuse du net, donc quand je vais dans un collège, je leur demande comment ils ont sécurisé leur compte, et généralement ils ne les ont pas sécurisés du tout. Donc on apprend ensemble à sécuriser un compte Instagram ou Snap par exemple. On va leur apprendre à faire attention à leur mot de passe parce qu'ils passent leur mot de passe à des potes pour gagner des points parce qu'il faut qu'ils se connectent tous les jours, etc. S'ils partent en vacances, ils passent le mot de passe au pote, mais seulement après le pote a le mot de passe et il peut aller sur son compte. Donc on leur dit de faire attention à ça, de mettre un pseudonyme, etc. Ou de pouvoir faire le ménage dans les historiques ou de vérifier les traces. Et on leur apprend à mettre leur nom sur Google par exemple et de voir toutes les traces qu'ils ont laissées sur le net. Et ils sont souvent très étonnés. Donc comment on peut les protéger et est-ce qu'on peut protéger les ados aujourd'hui d'Internet et notamment de la pornographie? Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de filtres efficaces et les jeunes sont excessivement malins. Donc on ne peut pas rivaliser avec eux. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ils savent très bien faire. Donc la seule chose qu'on pourrait dire, c'est l'ordinateur dans le salon. Que ce soit un ordinateur familial, mais ils ont leur téléphone portable qui est un ordinateur. Aujourd'hui, ils ont la tablette, donc on ne peut pas les protéger contre leur téléphone ou la tablette à partir du moment où on leur laisse, on leur a donné accès à ça. Donc, leur parler des dangers, c'est leur parler du risque de pédophilie, des images sur le net qui vont rester à vie, même sur Snapchat, puisqu'ils ont l'habitude de dire que sur Snap, si l'autre n'a pas screené, c'est-à-dire enregistré, l'image ne va pas rester. Or, c'est complètement faux. On leur apprend à vérifier leur compte de départ, les cases qu'ils ont cochées au départ sur leur compte, et on leur montre qu'à partir du moment où ils ont créé un compte, ils ont forcément coché une case qui fonctionnait en disant tout ce que vous publiez appartient à Snap. Donc les images resteront à vie sur le net et ne seront jamais effacées et seront utilisées à la disposition de ces réseaux sociaux. Bien sûr, on va essayer de leur dire que les images sexuelles qu'ils vont voir risquent de les traumatiser pour des semaines, des mois, voire des années pour certains. On va reparler de la pornographie et des images factices de la sexualité et erronées, bien sûr, qu'ils risquent d'être victimes de violences sexuelles et aussi qu'ils risquent d'être auteurs. Donc, dans les conférences que je fais auprès des parents, je parle beaucoup du fait d'auteur parce que on pense souvent que notre enfant peut être victime. On pense rarement que notre fils ou notre fille peut être auteur d'agression sexuelle. Or, c'est très facile avec les outils d'aujourd'hui de devenir auteur. Donc je rappelle la loi, je ne vais pas réinsister puisqu'on vient de nous en donner les définitions, mais il faut bien rappeler aux jeunes la loi, il faut leur redire cette définition, leur dire que c'est un crime et leur dire ce qu'ils risquent. Et surtout, comme ça a été dit tout à l'heure, que la pénétration sexuelle, ça peut être une pénétration vaginale, anale, par le sexe, par un doigt, par un objet. J'ai beaucoup de jeunes qui me parlent de doigté. Un terme que j'exècre, et comme si c'était obligatoire que la fille reçoive un doigt dans son vagin. Non, ça c'est une relation sexuelle déjà, on est déjà dans une relation sexuelle, et elle est obligée normalement de dire oui avant, de dire je suis d'accord pour que tu me mettes un doigt dans le vagin. Mais combien de fois, enfin je veux dire presque toujours, ça a été fait sans demander le consentement, et là on est déjà dans un crime. Donc il est très important qu'on puisse leur redire, voilà, c'est là qu'on a notre rôle de guide. Il faut leur donner ces définitions-là. Pareil pour la fellation, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, mais pour eux, la fellation n'est absolument pas un rapport sexuel, alors que c'est un rapport sexuel.
donc leur redonner les risques qu'ils encourent. Et souvent, je leur redis aussi qu'à partir de 15 ans, ils sont en majorité pénale, c'est-à-dire qu'ils auront les mêmes peines qu'un adulte. Donc 15 ans, c'est troisième ou seconde pour certains. Donc qu'ils sachent que là, ça y est, ils sont majeurs sexuellement et ils sont majeurs pénalement. On reparle des agressions sexuelles, évidemment. Ça a été dit tout à l'heure, je ne vais pas trop m'étendre, mais ils ont l'impression, effectivement, je suis complètement d'accord, qu'une main sur une fesse, c'est quand même pas grand-chose. Ils jouent à des jeux où on joue à se toucher le sexe. Je leur dis qu'à chaque fois qu'ils jouent à ce jeu-là, ils sont en train de commettre une agression sexuelle. Et je croyais de façon naïve que ce sont des jeux qui se faisaient à l'école primaire, maternelle. Eh bien non, j'ai des terminales qui jouent à ce jeu-là. Se toucher les zones sexuelles pour rigoler. Ben, ils sont dans des agressions sexuelles permanentes, en fait. Hein. Donc, voilà les peines, très important de leur rappeler. Maintenant, c'est important de leur rappeler aussi qui commet ces actes délictueux, que ce soit des délits ou des crimes, et bien leur dire que ça peut être leur petite amie. Cette notion de viol conjugal dont on a parlé tout à l'heure, ou d'agression sexuelle par le petit ami ou la petite amie, c'est important qu'ils sachent que le petit ami ou la petite amie n'ont pas tous les droits sur leur partie intime, que ça peut être un ami de la famille, que ça peut être un membre de la famille, ça peut être papa, ça peut être maman, ça peut être mon grand frère, ça peut être ma grande sœur, etc. Que ça peut être quelqu'un du sport, du monde du sport, que ça peut être toute personne en contact avec les enfants ou les adolescents, et qu'ils doivent bien sûr le dénoncer. Alors, pour les protéger, ces enfants, on peut essayer de les protéger, je pense que la communication sera la meilleure protection, mais on peut essayer de mettre l'ordinateur au salon, que ce soit un ordinateur familial, qu'ils n'ont le droit de l'utiliser que quand un adulte est présent, et surtout que l'historique va être consultable par les parents. Alors que l'adulte soit l'ordinateur soit familial, ça arrête quand même beaucoup de choses. Que l'adulte soit présent, ça en arrête encore un peu plus. Pour les enfants en bas âge, c'est vraiment une bonne protection parce que l'enfant peut aller chercher quelque chose de totalement anodin sur le net et puis tomber sur une vidéo porno vraiment de façon passive. Et si la maman ou le papa sont à côté et voient tout de suite que l'enfant tombe sur une vidéo porno, ils vont pouvoir arrêter l'ordinateur tout de suite. Donc pour les enfants en primaire, je pense que c'est une très bonne chose. Pour les enfants qui après, comme je disais tout à l'heure, ont un téléphone portable, ça ne sert plus à grand chose, mais on va pouvoir arrêter certaines choses. Quant à l'historique consulté par les parents, lorsque j'interroge des enfants qui ont 9-10 ans en primaire, donc CM1, CM2, et que je leur dis, mais est-ce que vous avez un ordinateur? Quasiment tout le monde lève la main. Est-ce que votre ordinateur est dans votre chambre? Quasiment tout le monde lève la main également. Et quand je leur dis, mais vos parents, est-ce qu'ils consultent les historiques? Alors là, ils me regardent et ils me disent, non mais n'importe quoi, c'est quand même notre ordi. Hein. Donc voilà, les parents ne consultent pas les historiques. Donc il faut absolument que les parents consultent les historiques. Ils savent faire les enfants, hein, ils savent faire les ados, effacer des historiques ou mettre des historiques factuels ou changer l'heure de leur historique. Ils savent faire. Mais généralement, quand ils voient que ça ne va pas pour eux, ils sont pris dans des vidéos porno, par exemple, de façon répétitive, eh ben, ils ne le changent pas, étonnamment. Ils ne changent rien à leur historique, comme s'ils avaient envie, finalement, que les parents découvrent ça. Donc, les parents ne sont pas intrusifs quand ils consultent un historique, ils sont protecteurs, toujours. Donc le mobile qui doit être dans le salon à partir d'une certaine heure, évidemment, c'est une précaution de base, d'abord pour leur sommeil, mais ensuite parce que c'est souvent la nuit qu'ils échangent un certain nombre de choses, encore une fois, de consulter l'historique des téléphones portables. C'est très important de parler des dangers avec les ados, mais attention, si on commence à parler de ça, on va devoir se faire une auto-censure soi-même et d'éviter soi-même en tant que parent d'avoir son mobile à table, de le consulter toutes les 30 secondes dès que ça vibre. Il va falloir que toute la famille fasse des efforts.
être à l'écoute des malaises de l'enfant, généralement un enfant qui a visionné du porno, qui est traumatisé, qui est victime de harcèlement sexuel ou harcèlement sexiste, etc., va avoir des signes extérieurs comme des résultats plus faibles, un isolement, un manque d'appétit, une santé plus fragile, de la fatigue, un manque de concentration. Donc si les parents arrivent à discuter et à observer leur enfant, c'est rare qu'ils arrivent à tout masquer. On peut parler de tout ça avec les collèges. Les collèges aujourd'hui sont tout à fait aptes à parler de ce genre de choses. Donc n'oublions pas les numéros, hein, le 3020 pour le non-harcèlement, le net écoute, le 0800 200 000, et puis l'enfance en danger, bien sûr, 119, que l'on peut rappeler aux enfants également. Le harcèlement scolaire, ça va être l'isolement de la victime, ça va être de la violence, de la répétition de la violence. Il y a toujours un triangle. Harceleurs, victimes, mais témoins, et bien leur expliquer que quand ils sont témoins d'un harcèlement, il faut qu'ils en parlent, parce que sinon ils sont également complices. Donc c'est très important. On va leur parler de ces notions de cyberharcèlement, de cette notion de viralité. Ça va très très vite. Une jeune qui diffuse un nudes, 2 heures après, tous les collèges de Vendée l'ont. Si ça a été diffusé, ça va à une vitesse folle, donc forcément ça les dépasse très très vite. Il n'y a pas de répit pour la victime dans ces cas-là. C'est chaque jour, à chaque heure, quand elle va aller à l'école, qu'on va lui rappeler qu'elle a été sur des réseaux et qu'elle s'est déshabillée, que ce soit, quand je dis elle, c'est la victime, pas forcément garçon ou fille. Il y a le happy slapping qui est vraiment en vogue, c'est de filmer, de diffuser une scène de violence qui a été subie par une victime et on la diffuse sur le net. Le revenge porn, on en a parlé, c'est le fait de se venger d'une personne, comme on l'a vu dans la vidéo du CIDFF tout à l'heure. Donc ces histoires de nudes, envoyer une photo d'une partie de son corps ou de tout son corps nu, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent aujourd'hui. Il y a toujours derrière une impression de confiance, mais non, je l'ai envoyé à mon petit copain, il ne va pas me trahir, sauf que le petit copain en question, au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il y a une rupture et là il se venge et on passe à la diffusion des nudes dans tout le collège ou le lycée. Donc ça fait des dégâts très importants. Il y a beaucoup de tentatives de suicide à la suite de ces diffusions de nudes. C'est un vrai fléau actuel dont tous les collèges et les lycées parlent. Il n'y a pas un collège qui ne connaît pas ces problématiques de nudes. Donc sur Snapchat, il y a même des comptes spéciaux que les jeunes connaissent qui s'appellent Ficha, où on va diffuser les nudes des mineurs sans leur consentement. Donc voilà, c'est devenu banal pour eux. Il y a le phénomène de sextorsion. Le phénomène de sextorsion, c'est le délit de sextorsion, c'est qu'on va extorquer via Internet des faveurs sexuelles ou monétaires. Alors généralement, pour les jeunes, ça va être des faveurs sexuelles, c'est-à-dire qu'on va leur demander de plus en plus de vidéos, de photos à caractère pornographique, et si le jeune ne le fait pas, on va menacer de diffuser au collège ou aux parents. Donc le jeune au départ a l'impression d'être en contact avec un autre jeune de son âge. En réalité, c'est un gang qu'il y a derrière, et ce gang va amener un chantage très très rapidement. Pour les adultes qui se font avoir par la sextorsion, on va leur demander de l'argent. Donc c'est un phénomène qui est en expansion énorme, et bien sûr que c'est un délit et que c'est condamnable, mais c'est très difficile de repérer les gangs qu'il y a derrière cette extorsion, puisque ça appartient généralement, ils savent très bien faire, et bifurquer sur le dark web. Donc on a besoin de réagir vite, tous ensemble. Pourquoi ? Parce que la réalité des violences sexuelles est insupportable. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un enfant sur 5 qui est victime de violences sexuelles avant ses 18 ans. Ces violences sexuelles sont faites aussi bien par la famille que l'extérieur, mais c'est souvent dans le cadre familial. Il y a une fille sur 4 et un garçon sur 6 qui seront victimes d'agressions sexuelles à leur majorité. Alors parfois, ce chiffre-là peut choquer. Pour le fait d'un garçon sur 6, on a l'impression que ce n'est pas du tout le cas et que ce sont plutôt les filles. Or, chez les enfants, les garçons sont victimes de violences sexuelles beaucoup plus tôt que chez les filles. Et en général, le garçon est victime de violences sexuelles en moyenne avant ses 5 ans.
et parfois avant ses 3 ans. Et avant les 3 ans, il y a un système d'amnésie qui est mis en place systématiquement par le cerveau, par protection. Et c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes chiffres chez les adultes, parce que soit ils ne se souviennent pas, parce que c'est passé à l'état d'amnésie, soit comme ce n'est pas du tout reconnu qu'un garçon peut se faire violer, et notamment que le viol par fellation, grâce à la loi Chiappa dont vous avez parlé en 2018, ou le viol anal, bien sûr, souvent les jeunes me disent mais c'est pas possible qu'un garçon se fasse violer. Ben bien sûr, une fellation imposée est un viol et une pénétration anale est un viol. Et donc ces notions-là ne sont pas connues du grand public, donc les garçons n'en parlent pas la plupart du temps. Et en plus, même s'ils en parlent, même s'ils en ont conscience, ils vont pas porter plainte. Alors déjà, on a vu tout à l'heure qu'il y avait qu'une femme sur 5 qui portait plainte. Alors si on comptait les garçons, ce serait bien moins que ça, parce qu'il y a une très grande honte et culpabilité chez eux. Il y a la même chose chez les filles, bien sûr, mais chez les garçons, on n'a pas du tout les chiffres officiels. C'est pour ça que là, ce sont les chiffres du Conseil de l'Europe que je vous donne et qui ne sont pas du tout mis en avant. Donc on a besoin de travailler sur ces violences sexuelles et sexistes pour les victimes, évidemment, parce que ça apporte des dégâts épouvantables, des dépressions dans 80% des cas, une psychose dans 15% des cas, des symptômes, des syndromes post-traumatiques avec anxiété, évitement, tentative de suicide, colère énorme, des addictions dans la plupart des cas. On va avoir des dyspareunies. Les dyspareunies, ce sont les douleurs au moment des rapports sexuels qui sont excessivement fréquentes à la suite de violences sexuelles. Bien sûr que la libido, le désir, on n'en parlera même plus, parce que l'acte sexuel est lié à une violence, qui aura beaucoup de difficultés avec la sensibilité, le toucher, puisque c'est par le sensoriel et le corporel que le traumatisme va être imprimé dans le corps. On a même maintenant donc découvert, bien sûr, qu'il y a beaucoup d'anorgasmie, c'est-à-dire que ces personnes-là n'ont plus accès à l'orgasme, puisqu'ils doivent toujours être en contrôle, un système de contrôle, puisque c'est parce qu'ils ont pu se laisser aller parfois qu'ils ont été jusqu'à ne pas être respectés. Donc là, leur corps et leur tête va mettre en place systématiquement un contrôle très important, et l'orgasme nécessite un lâcher-prise, donc l'orgasme pour eux ne va plus être possible. Il y aura chez les garçons des problèmes de fonction érectile, de dysfonction érectile, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas d'érection ou des pannes d'érection, beaucoup d'éjaculation précoce, retardée ou pas du tout d'éjaculation. On a même maintenant des études validées qui nous disent qu'à la suite de violences sexuelles, on va avoir beaucoup de pathologies chroniques qui vont se mettre en place, puisqu'en cas de violence sexuelle, on a tout le système neuro-endocrinien qui est perturbé, avec des sécrétions d'adrénaline et de noradrénaline qui sont sécrétées de façon massive et qui vont perturber tout le système endocrinien. Et c'est comme ça que l'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de diabète de type 2, par exemple, ou de pathologies endocriniennes type thyroïdiennes qui sont liées à des antécédents de violences sexuelles. On a des hypertensions, on a des pathologies de type fibromyalgie, ou bien sûr des pathologies gynécologiques et obstétricales qui sont liées aux violences sexuelles, endométriose, etc. Ou des pathologies à l'accouchement, avec des accouchements très difficiles ou des grossesses très difficiles qui sont liées à des antécédents de violences sexuelles, des pathologies cardiaques, respiratoires, etc. Donc tous ensemble, on est là pour réagir. On pourra le faire et y arriver à éradiquer ces violences sexuelles et ces violences sexistes que si on travaille tous ensemble. Les parents, bien sûr, c'est pour ça que je fais énormément de conférences auprès des parents, pour que justement les parents prennent conscience de ça. C'est pas très drôle. Généralement, je fais pas tellement rigoler quand je suis en conférence avec les parents, mais ils sont reconnaissants de connaître la vérité et d'avoir quelques outils pour discuter avec leurs enfants. Les professionnels de l'éducation et de l'enfance, bien sûr, également. Les établissements scolaires sont très avides de ce genre d'intervention auprès des écoles, des collèges ou des lycées. Donc, personnellement, je fais beaucoup de conférences d'interventions auprès des jeunes. Et malheureusement, pas suffisamment au niveau de l'école primaire. Je crois que c'est vraiment là qu'il faut démarrer l'éducation. Bien sûr que le gouvernement doit prendre conscience de ces choses-là. Ça se fait, mais c'est très, très lent. Les professionnels du milieu médical, et là aussi, on peut continuer énormément.
Donc se former, c'est très important. C'est pour pouvoir parler de la vie affective et sexuelle des jeunes, ça va être plus facile si on est formé. J'essaie de former un maximum de professionnels. Il y a plein de gens qui forment aussi. Donc il ne faut pas hésiter à aller se former. Ce n'est pas simple de parler d'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Personnellement, c'est depuis simplement que je suis sexologue et que j'ai passé 3 ans en faculté de médecine pour apprendre ce métier-là que je peux mieux en parler. Ce n'est pas facile de parler de sexualité. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir protéger les enfants. Pour finir, je vous ai mis quelques liens utiles qui peuvent vous aider à aller chercher de l'aide au niveau des autres professionnels, parce que quand on ne sait pas, ce n'est pas un problème. Quand on ne sait pas, on va se tourner vers d'autres professionnels et on va dire à ces professionnels qu'on a besoin de renseignements. Donc le travail en réseau, c'est primordial. Et il ne faut jamais avoir honte de dire à un jeune, mais tu sais, là, je ne sais pas trop bien répondre à ta question, ça, ce n'est pas grave. Par contre, on peut lui dire, mais tu sais, je vais me renseigner et demain, je te répondrai. Et là, on va pouvoir téléphoner et ou lui donner à lui-même ces renseignements-là pour qu'il aille chercher de l'aide. Donc le Cegid est très important puisque c'est un endroit où ils vont pouvoir se faire dépister par rapport aux IST. Il faut savoir quand même que les mineurs n'ont pas le droit de venir seuls se faire dépister au centre de dépistage, mais par contre ils pourront venir avec un adulte qui n'est pas obligatoirement un parent. Donc ils peuvent venir avec un grand frère, une grande sœur ou bien un copain qui a plus de 18 ans. Ou avec l'autorisation de leur père ou de leur mère écrite, s'ils ont pu en discuter avec leurs parents. Donc le Cegid est une grande ressource. Et puis forcément que quand on vient faire un dépistage, les médecins qui sont là et les infirmières qui sont là vont pas parler que du dépistage, ils vont parler de la sexualité en général et ils vont aborder les violences éventuellement sexuelles ou sexistes. Donc ça va être un échange qui va être vraiment très intéressant pour le jeune. On a bien sûr la MDA, la Maison des Adolescents, qui est un lieu ressource très important. On va avoir, alors l'association que j'ai fondée s'appelle Stop aux violences sexuelles et vous pouvez me contacter et contacter d'autres personnes de l'association via ces ressources-là. Vous avez bien sûr tous les centres de planification et d'éducation familiale qui sont des centres où les jeunes vont pouvoir aller. Alors là, pour le coup, seuls en tant que mineurs, pour aller chercher des informations, pour aller chercher la contraception, pour avoir des informations sur les IVG, ils vont rencontrer des sages-femmes, des médecins, des infirmières qui vont pouvoir les renseigner. C'est gratuit, c'est anonyme, ils peuvent le faire sans le consentement des parents. Donc c'est une grande ressource. Vous en avez dans plusieurs villes. Alors, on me dit souvent, mais moi, je serais incapable en tant que parent de leur parler de sexualité. Donc, je conseille souvent le site internet onsexprime.fr, qui est très, très bien fait, qui convient énormément aux jeunes et même aux parents pour pouvoir leur en parler plus facilement. Bon, il y a le fil santé jeune. Il y en a beaucoup, hein, donc j'en ai mis que quelques-uns. Vous allez avoir des campagnes de sensibilisation dont on nous a parlé aussi tout à l'heure. Bien sûr, le CIDFF est une grande ressource pour les jeunes et pour les moins jeunes, pour les garçons comme pour les filles. Donc vraiment, il faut ne pas hésiter à les orienter. Ce sont des informations, des conseils gratuits. Donc il faut vraiment leur donner ces coordonnées-là. On va avoir des sites comme Solidarité Femmes ou quelque chose que j'aime beaucoup qui s'appelle mêmepasvrai.bi qui démystifie pas mal de choses et qui a des vidéos très ludiques pour les ados qu'ils aiment beaucoup en général. Pensez aux promeneurs du net. Moi, je suis promeneur du net. Je vous laisse mes coordonnées Facebook, Snap ou Instagram. Mais on est plus de 30 promeneurs du net sur la Vendée. Ça augmente. Il y a des juristes, il y a des animateurs jeunesse, il y a des éducateurs spécialisés, il y a des professeurs. Il y a beaucoup de monde. Donc, en fait, on peut dire aux jeunes, va sur promeneurdunet.fr. Tu auras la photo, les coordonnées de chaque promeneur du net. Tu choisis le promeneur du net qui te convient le mieux. Donc voilà, nous avons tous des heures de permanence en direct. Chacun a 1 heure ou 2 heures de permanence où on discute avec eux en direct. Ils savent à quelle heure on est connecté, quel jour, en dehors des heures scolaires. Mais cependant, entre ces heures de connexion, s'ils nous envoient un Snap ou un Instagram sur une problématique, on les prévient que là, on ne sera pas derrière notre ordinateur ou notre portable, mais par contre, on va pouvoir répondre à leurs questions le lendemain ou le soir même. Voilà, je vous ai laissé aussi une petite biographie que vous pourrez consulter. Et donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci à vous. Merci Véronique.
On a eu quelques petites questions sur notre adresse mail. Donc, je vais faire une petite synthèse pour voir si Véronique peut nous en dire plus. Alors, il faut que je les trouve. Par exemple, à l'école, à partir de quel âge doit-on dédramatiser, réexpliquer la réalité de la pornographie ou de la sexualité? J'ai envie de dire le plus tôt possible, mais pas trop tôt, parce que forcément, on va essayer de faire en sorte que ce soit évolutif, toute cette éducation affective et sexuelle. Malheureusement, Sébastien Landry disait tout à l'heure, ce matin, que les premiers visionnages de vidéos porno par les jeunes étaient à peu près à l'âge de 11 ans. Ça a changé. Et les premiers visionnages, maintenant, sont la plupart du temps à partir de 9 ans. Donc, 9 ans, on est en CM1. Et donc, si on veut pouvoir faire de la prévention, ben, il va falloir en parler avant. Alors, ça paraît terrible de pouvoir parler de pornographie à des enfants de 8 ans, 9 ans. On ne devrait pas avoir à le faire. Cependant, je ne vois pas comment faire autrement. Puisque, comme je vous disais, c'est difficile aujourd'hui de protéger ces enfants parce qu'ils ont accès à des vidéos passives sans le vouloir. Parce que, voilà, pour un dernier exemple que je peux donner, c'est un enfant qui m'a dit récemment, mais moi, quand j'avais 9 ans, je regardais une vidéo sur YouTube de Norma, peu importe le nom, mais ils aiment bien ce genre de vidéo, ça, c'est anodin. Mais en bas à droite, il y a eu une petite fenêtre qui s'est affichée, qui a clignoté. Alors je ne savais pas ce que c'était, alors j'ai cliqué dessus et puis c'était une vidéo porno et j'ai rien compris et ça m'a choquée. Alors je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, je ne comprends pas. Alors le lendemain j'y suis retournée, puis je suis retournée encore parce que c'était d'autres vidéos, je n'ai pas compris, etc., etc. Et c'est là qu'on rentre dans ce phénomène de vidéo porno passive que l'enfant subit. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est important pour des enfants de 7, 8 ans de leur dire que la nécessité pour eux, ça va être de s'auto-protéger et donc de pouvoir leur faire comprendre que lorsqu'ils voient une vidéo de personnes nues sur l'ordinateur qui leur est apparue comme ça, qu'eux-mêmes s'auto-protègent en fermant l'ordinateur. Systématiquement qu'ils ferment cette fenêtre-là. Et parfois fermer l'ordinateur et sortir de la pièce, parce qu'on sait combien c'est compliqué parfois de fermer la fenêtre qui se réouvre toutes les 5 secondes. Donc il faut les prévenir. Très tôt, je crois que vraiment vers 7-8 ans, il vaut mieux les prévenir, leur dire c'est pas normal que tu vois ça, ne regarde pas ça parce que ça va te traumatiser et ferme tout de suite l'ordinateur. Je crois qu'on est obligé de passer aujourd'hui par l'autoprotection parce que on ne peut pas surveiller nos enfants H24 avec le problème des téléphones mobiles aujourd'hui. On a une question sur les vidéos que l'on peut recommander en classe de 3e, 14-15 ans. Et une autre question, enfin je pense que tu as mis des références dans la bibliographie à la fin, il y a pas mal de choses. Donc juste pour rappel, vous aurez tous les diaporamas des intervenants sur la plateforme. Donc pas de souci pour retrouver les infos. Et si jamais vous avez des choses que vous ne trouvez pas ou vous avez d'autres questions, vous pouvez nous mettre un petit mail à l'adresse mail de coordination que vous avez reçue avec le lien pour la journée d'aujourd'hui. Donc la question, elle est un peu double. C'est, voilà, quel support? Et puis, est-ce qu'il existe des supports d'éducation à la sexualité respectueuse et qui soient bien adaptés à chaque âge? Voilà, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Hein, le site onsexprime.fr est parfait. Même pas vrai.bi, c'est très bien fait. Le centre Hubertine Auclair fait des choses très, très bonnes aussi. On a des choses faites par la MGEN aussi, qui sont très bien mises en place sur les violences sexistes aussi. Il y a vraiment des références qui sont vraiment intéressantes hein, pour les jeunes et on peut les brancher là-dessus. Ils sont contents de le voir. Vous avez des vidéos aussi qui sont téléchargeables, qui sont très intéressantes, comme le consentement avec la tasse de thé, qui sont ludiques et qui sont, voilà, qu'on peut télécharger facilement. Et vous avez la même, en fait, pour les enfants en primaire. Donc, pour chaque âge, il y a des choses téléchargeables qui sont vraiment intéressantes, oui. D'accord. Donc, je pense que vous aurez toutes les références sur la plateforme qu'on va mettre en place avec les replays. Et puis, donc pour toi, Véronique, ça sera tout. Si je te remercie. Et puis, j'ai une petite question pour, je pense, notre juriste. Donc, c'est les avocats, les juges sont-ils formés aux violences conjugales?
notamment quand il s'agit de violences psychologiques où les preuves sont difficiles. Voilà, et la personne joue tout, comme ça, c'est, la personne se reconnaîtra aussi si elle pense que c'est sa question. Comment expliquer que les femmes victimes ont encore beaucoup de difficultés lors d'un divorce, de leur reconstruction sociale, professionnelle, et que bien souvent elles se trouvent longtemps dans une situation précaire alors que l'auteur semble rester dans une position haute? Finalement, c'est vrai, est-ce que c'est pas une forme de sexisme aussi, finalement, que cette situation déséquilibrée? Après, ça peut être aussi le déséquilibre dans l'autre sens aussi, je suppose. Mais est-ce que les professionnels qui s'occupent, justement, les avocats, les juges, est-ce qu'il y a une formation au moins minimale là-dessus? Est-ce qu'ils sont sensibilisés à tout ça? Alors, si je ne me trompe pas, parce que moi, du coup, j'ai pas fait d'école d'avocat, j'ai pas fait l'ENM non plus, donc l'école de la magistrature, donc je n'ai pas forcément tous les programmes en tête. Récemment, l'école de la magistrature a mis en place une formation sur justement la spécificité des violences conjugales. Après, dans le détail, je saurais pas forcément dire si y a une formation très précise pour les avocats. Il en existe évidemment, peut-être on va dire des officieuses, si on veut, qui sont pas dispensées nécessairement par les écoles. Mais je pense que ce qui est important, c'est surtout la sensibilisation personnelle et même la sensibilité que chaque avocat ou chaque professionnel peut avoir sur cette question et pouvoir s'auto-former d'une certaine manière. Je pense que c'est ça qui est important. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie. On peut regretter qu'il y avait une question qui demande qu'est-ce qui est fait en éducation à la sexualité au sein des collèges, en prévention, sur le plan national. Donc, Véronique et vous avez, les intervenants ont bien dit ce qui devrait se faire, ce qui est possible de faire, en sachant que les ressources ne sont pas non plus inépuisables. Mais il y a quand même des textes de loi, des décrets pour cette éducation en milieu scolaire, notamment, qui devraient être appliqués systématiquement. Voilà. Et donc, on peut regretter que pour l'instant, on n'ait pas tous ces moyens-là, parce que c'est aussi une éducation des futurs citoyens. Et que ces jeunes deviendront grands et eux-mêmes, voilà, c'est pour un peu casser un cercle vicieux de génération en génération sur notamment par exemple des violences ou des effets négatifs d'un manque d'éducation à la sexualité. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans l'Assemblée ou voilà. Eh bien, écoutez, nous allons clore notre journée. Nous remercions alors tous ceux qui ont participé, donc nos quatre intervenants, les personnes qui autour ont permis que cette journée se passe finalement bien. Alors c'est un peu difficile de parler qu'à des caméras, mais on sait que vous êtes derrière. Donc voilà, on a vu le nombre de connexions. On est très contents en fait qu'il y ait eu autant de connexions. N'hésitez pas à aller voir les vidéos en replay, d'aller revoir les diaporamas. Il y aura plein d'infos avec des biblios par exemple ou des sites internet, etc. Si vous n'avez pas pu tout noter. Et puis donc dès lundi, vous aurez le replay sur la chaîne YouTube de l'hôpital Centre Hospitalier Départemental de la Vendée. Et puis aussi, je voulais vous dire que cette journée elle a été faite en collaboration donc avec le groupe SAGE, Santé Sexuelle auprès des jeunes. Donc en fait, les associations, les structures devaient faire des flash infos en fait qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Et en fait, ces structures nous ont envoyé soit des petites vidéos, soit des choses qui leur paraissaient importantes pour présenter leur structure et toutes ces petites sommes d'informations, on va dire, qui devaient composer ces flash infos vont se retrouver sur cette plateforme où vous allez pouvoir voir les replays. Donc en fait, n'hésitez pas à aller voir cette plateforme parce que je pense que vous aurez beaucoup plus de contenu que ce que vous avez vu aujourd'hui, ce qui était déjà assez riche, mais vous aurez encore plus d'informations et en plus, ça vous permettra de connaître les différentes structures associations qui sont dans ce groupe, dans ce collectif, en fait. Voilà, donc un vrai travail d'équipe, finalement, et de groupe, donc, dont nous sommes fiers aujourd'hui, puisque ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble. Voilà, je vous remercie, je remercie tout le monde, je vous remercie pour cette belle journée, finalement, qui nous a été permise, malgré les difficultés pour se former en présentiel actuellement, et puis on espère se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures, voilà, et je vous dirais santé sexuelle pour tous, parce que j'adore ce terme. Voilà. Et tous, nous avons droit à une très bonne santé sexuelle. Voilà. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de connexion. Au revoir.
On voudrait faire un tournoi de foot avec les potes de mon quartier, mais on sait pas comment s'organiser. On a posté des photos de moi sur Facebook après une soirée arrosée. Je fais comment pour les enlever? Mes parents sont en train de se séparer, c'est devenu invivable à la maison. Ça s'est passé trop vite. On a oublié de se protéger. Qu'est-ce que je dois faire? Quand on est jeune, on se pose beaucoup de questions et on passe beaucoup de temps sur Internet. Ça, c'est sûr. 80% des 11-17 ans vont sur Internet au moins une fois par jour, sans parler des réseaux sociaux. Près de 78% des 13-19 ans possèdent un compte Facebook. Le web, c'est super, mais il comporte aussi des risques. Pas question qu'il soit déserté par les adultes. C'est pour ça qu'il existe une initiative importée de Suède, les promeneurs du net. Le projet est soutenu par les CAF et leurs partenaires, comme la Mutualité sociale agricole, les directions départementales de la cohésion sociale et les conseils départementaux. Concrètement, les promeneurs sont des professionnels de la jeunesse présents sur Internet en plus du travail qu'ils accomplissent dans la vie réelle. Aujourd'hui, être présent dans la rue, ça ne suffit plus. Les promeneurs du net proposent aux jeunes d'être amis sur les réseaux sociaux. Cela leur permet de maintenir un lien avec eux. En allant à leur rencontre sur Internet, les promeneurs jouent un rôle d'écoute, de prévention, de conseil et d'accompagnement. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'action sociale des CAF, dont l'objectif est de maintenir et de renforcer les liens familiaux et de contribuer à l'épanouissement des enfants et des jeunes. Sur le web, les promeneurs sont partout. Blogs, chats, forums, réseaux sociaux, ils peuvent laisser des commentaires, échanger des messages privés ou répondre aux sollicitations. Ils effectuent aussi des permanences en ligne sur des créneaux horaires précis. Ils travaillent à visage découvert. Chacun d'entre eux est clairement identifié comme professionnel sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est de créer une relation de confiance avec les jeunes, de façon individuelle ou collective. Tous les échanges sont strictement confidentiels. D'ailleurs, comme tout groupe professionnel, les promeneurs du net ont des valeurs communes inscrites dans une charte nationale. Cela commence par le respect des valeurs de la République. Les réseaux départementaux des promeneurs du net organisent régulièrement des réunions de partage, de formation et d'échange d'expériences et de pratiques. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette démarche sur le site promeneursdunet.fr. Le site s'adresse à tous, professionnels, parents, jeunes, partenaires. Il propose notamment l'annuaire de tous les promeneurs des différents départements et le nom des structures dans lesquelles ils sont engagés. Les promeneurs du net, une autre manière d'être en contact avec les jeunes.